Je pense que bah comme il a ma bouma. Bon, il y a aussi Kangi moto 20 ans de prison. Mais la canisse moto sont à la bolo car on doit soin, il y a qu'on se soigner. Hey Mokili, moto ala qui chef de ala qui soki nani na yo conseiller na yo. Otinda ye bisika boy. Oh yo salie ya mabe atiki yango. Yo motema mabe na bato na click na yo wana. Pona nini boy. Moko kasali nini. Soki yo motolo bitu ali président. Mais zala na kibo président na yo. Vanda na yo tranquille. Sala ndenge yo lingi. Olo kendo komoni sabaninga. Pas soki ba sali na njoto na yo. Yo komoni ango malamu. Hein? Vraiment. Paix à sa fille. Hein? Mais... Moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de position. Je suis un peu plus de temps. 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 Mais je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de Na vous comprenez, au banga nani, au banga la Congo, maman va y aller au joyau, c'est quoi lâche, au banga, intumi, hein? Au banga passé à l'équipe, on a pas diplôme, ma kabutu, on a maillé la l'équipe, le coup de l'ingrabatu, les kakayote, papa, au lobby de Mukunzi ali à yo, yo moto ko bongisambuka, mais alors. Bongisambuka na yon soku batobako sala lobe bobo sala makamona bine talbino kumona bango pamba. Yo kamata moninga moto otia na kati ya boloko. Otia na kati ya boloko. Pona nini? Pona makamba bozoba? Mindoki bobino moko batuboke kuchika na ndako na ye. Botiki mindoki na ndako na pona wano bati ye mota alaki na mindoki. Me ifo kame makamosusu ifo boza laka na mwa soni. Mokili mobimbe moni yango elobi makambo ya soni ya pasi ya mawa vraiment nako yoka Kongo mawa hein? Ya vrai mawa ah papa Sasu yona ba click na yona ba avocat na yona ba ministre na yona ba nani na ba misusu ba okina kati wana ba misusu ba laki wana ba koloba na kombo na yona lelo ba komi na se ya makoloba komi kotia monoko makasi hein toloba ba komo te ba bango moko ba yebi. Et à Sonia, on a dit que c'est un standi, moto na standi. Mais binote, pona mbongo. Mais ce bino bwana bambongo. Pona ni ba retraite boko futate. Pona ni ba salarié boko futate. Bino batu bwana mbongo. Bolembi ko futa ba travailleur. Ce bwana mbongo, bon la kisa te biso to na bambongo. Boko futa bango. Mais là comme côté. Kaka en na en na en na en. Yo di lo kufate. Bino tu wana bodilo kufate. Bodilo vanda éternel. Je ne pense pas. Hein? Je ne pense pas que vous vendez éternel. Mais enfin. Li kambonini. On le but de pouvoir et à l'inzamba à pesina yo. Mais ce que nzamba à pesina au pouvoir. Mais yo go saladin. Moko bongisa. Yo bongisa te. Yo kaka kanda. Eh mwana. O botama na iloko wana. O yako yina batu yako buma batu wana. O sangisa kabaninga. Bino tu click wana. Clique wana. Mais biso leo toko kola, toko yeba o mokongo te, o mongala te, o yo boete, biso tutu ala ki bana moko. Mais bino ba président mi bale o boyi li soubana sa sou boyi boyi ko bebi sa mboka. Bo bebi si mboka tu. O ke kuna ngulu mako, o ke kuna ba mboshi, le jale nua. Mais c'est quoi? Quelle honte. Ngana na soni, soni mon nene na bino. E a mawa. Et a vraiment wa yo bomba mokoko yo kokunda yete joye tiaye na nzungu olia avant na kata njoto nayo komboma yete omboma ye okendo utika na cimetière te azala na tombe te joye kata emike mike yona bato nayo bolia ye komboma ye andenge wana te me nini ko bino bole bwana pays de droit quel pays de droit quelle honte et ko sala nga soni. Ah, mwana, boni boy, boni. Hein? Yo kasi ya na bana te,
Ana bana. Ana ba famille. Ana ba famille. Mais yo. Hein? Qui m'a continué au cas au bouma. Kako tiba n'inga la boloko. Kako salaboui. Kako salaboui. Ah, ou à toi, allez, ou à ceux qui balèvent la binote, ou à Bisso, ma film ou les kaka kala 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 kala. Na Brazzaville, n'denge Brazzaville, bandaka, bouan en goûte. Bon bébé, ça tout. Yo moto levé au sali banzela. Eh eh, sali banzela na yo. Mais au sali banzela, kuna y'a l'or en yamalungé. Misale yalite. Mbangozo bomba. Trésor et commis occupé vide, na yébin n'en goûte yate. Mais c'est quoi? Tika mukoko amana na ye tranquille. Soko lingite, joye kenda ko tika ye na mboka na ye. Ana mboka, boloko te, tika ye na mboka. Akeno yeko la kupeshe kuna alia, avanda, ajwa kamo pepe. C'est pas que yo joye tia ye na katia boloko. Alie loko na yo? Hein? Alie loko na yo? Polingi ba lo baka makamo nyo so tu? Papa, keba na yo. Paso ba lo baka ti? Babwa kaka njete na eloko yo eteli donc mongo eteli wana babwa ki njete me yo keba yo aliso mongo eteli te parce yo komi mongo yo ese eteli na likolo ba 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 binga kango ba 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 sauve souris ba komo ya agulia donc soki bali 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 ekwe po esili nango ekomo pola boni boui. Boni boye mo boyino yango ya ndenge nini oyini baninga bato pona nini pona nini hein to fungula ka ba journaux to mona ka ba télé ba lobi bo ba lobi yo ko boma moko ko jwa nini il faut yebisana ni biso eloko nini yo ko jwa moko oboma pe baninga mo soki pe ya solo oboma o soki pe oboma te wo wale tali pe kaka yo moko na ba nini na nzambe na yo oteli yo moko na nzambe na yo. Et en plus de ça, on connaît ça, la paix, bah, église, bah, boyer, mais, on continue à ma soumou, car on a quatre ans, on a un papa. Hein? Mais, il y a un dingue-ni. Ou un niama, ou un moto, ou un diable. On a quand même le diable en personne. Vraiment, l'imbissant, on a dingue-na le banobongo, parce que, nana, quand on a maman, mon boti. Nous, quand on a maman, mon boti, na boti, yon, na boti, mon coco, na boti, bah, mi bali, tout. Mais, bino, bois ma paix, bois ma paix. Bosambisa moto ya sali likambo. Moto ya sali likambo te bokende kosambisa ye soni. Oh, vraiment, papa. Yo, nzamba zala na yo. Boma ye, olia ye, tia ye nakata nzungu. Hein? Ala na tombe te. Jwa ye tia nakata nzungu, ala nakati ya njoto na yo. Naba bato na yo, entourage na yo, nyo sotuwa. Naba joba wavoka wana, jwa bangobo kati ndambo ndambo bolambi bole. Soki boko sala michui yo, soki boko sala sauce tomato, soki pe boko sala nini joye bo sala ndenge wana. Mais enfin, bino pays de droit ya wa. Bwana pays de droite? Bwana pays de droite? Hein? Yo 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 ngana lobana yo ngana bino te yo soko djubo kunja. Congolais alingaka kolia komela ana mbongo nena suka sanza ana mbongo na kokipete yo kuvanda me yoso kokome ko bomali suso bato ye kusala ka baninga mabe makamone kuzala kaka bwe kaka bwe na bwe papa ya yo suka yangwana vanda na yo na kiboko nzira yo me oboma bangute ko boma bana wana te soko a vrai mobali jwa ba opposition nyo so tia na boloko soko a vrai mobali wa lâche parce que soko akil lâche te ukoko sala makambande olinga ko jwa baba ba bango nyo so tu wana uti bango tu na boloko me yoko tia ka kombinana mukoko na boloko pona ni eh nam na ukombi mwana yo moko boti wape na soni pete wana nini wana makamba soni mwana mwana pe procès wana te parce que makamoka soni na kwa kipe kumwona ngute tumi bale na monte pasi ko pesa nga kanda yaki na makamba bozoba na kati eh usambu sinjoto mwana nga osambu sinjoto na yo basala kabungu te nga na chuki bewana bon. Démocrates africains, les amis du monde entier, chers frères, chères sœurs du Congo Brazzaville, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe, en Afrique. Un bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique du Nord.
Nous sommes au dimanche 5 mai 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Comme vous le savez, notre communauté, notre pays, les Congolais viennent de perdre les leurs. Au Canada et en Amérique, en espace d'une année, nous venons de perdre deux de nos amis qui ont été des résistants au sein de nous, ceux-là qui ont contribué énormément dans cette lutte que nous sommes en train de mener de la recherche de la libération de notre pays qui est le Congo-Brazzaville. Victor Kiwangu, nous l'avons enterré l'année passée, c'était autour du mois de novembre que nous l'avons mis sous terre. En moins, comme nous venons de dire, en moins d'une année, encore le 2 mai 2019, donc il y a quelques mardis passés, nous venons de perdre le doyen Mbiki de Nanité Lamio. Bon, certains vont reconnaître le doyen Mbiki de Nanité Lamio comme l'homme qui a apporté le drapeau vert, jaune, rouge du Congo-Brazzaville lors de la conférence nationale. Permettez-nous simplement, pour ceux qui ne connaissent pas le doyen Mbiki de Nanité Lamio, de simplement d'essayer de tourner cette caméra et de vous montrer. Voilà le doyen Mbiki de Nanité Lamio qui a apporté donc le drapeau vert, jaune, rouge à Monseigneur Ernest Kombo, celui-là qui dirigeait la conférence nationale souveraine. Ici, vous le voyez, Mbiki de Nanité Lamio, un compatriote qui vivait à Québec, qui venait donc de perdre sa vie. Bon, les causes de sa mort ne sont pas encore connues. Nous pensons que la famille aura le temps de procéder à faire une demande de l'autopsie, hein, de nous dire en réalité les causes de la mort de ce compatriote qui venait de partir. Mais, comme vous le savez, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous l'avons dit le jour où nous avons parlé du décès de Mbiki de Nanité Lamio. C'était aussi une façon pour nous de protester, hein, contre la rencontre entre Pierre Ngolo et Mbiki de Nanité Lamio, ce qui s'est tenu à Québec City, lors de la 44e Assemblée des parlementaires francophones à Québec. Ceci s'est tenu entre le 5 et le 10 juillet 2018, hein, 5 et 10 juillet 2018. Donc il y a eu deux rencontres entre le doyen Mbiki de Nanité Lamio. Connaissant le caractère d'un résistant pur, hein, d'un résistant qui n'a jamais fait défection, hein, l'homme qui a toujours combattu le régime de Sassou avec beaucoup plus d'énergie et beaucoup de rigueur, le doyen Mbiki de Nanité Lamio. Connaissant aussi que Pierre Ngolo représentait la figure du régime kleptomane et criminel de Brazzaville, du fait que Pierre Ngolo est le président du Sénat de Sassou-Denis et aussi le secrétaire général du Parti congolais du travail, ce que nous avons l'habitude d'appeler le parti nazi qui a simplement gangréné tout le pays, qui a confisqué les libertés d'expression, le parti qui a confisqué les richesses de ce pays, le parti qui tue, qui planifie l'écrasement, hein, si nous voulons, du système éducatif, le système de santé, de tout le système de bon fonctionnement de ce pays. Qu'est-ce que Pierre Ngolo pouvait rapporter à Mbiki? Qu'est-ce qu'il pouvait proposer à Mbiki de Nanité Lamio? Et qu'est-ce que Mbiki de Nanité Lamio avait à faire avec ce régime? Voilà pourquoi nous avons été informés de cette rencontre. Ce jour même, ces rencontres-là s'étaient effectuées, parce qu'il y a un témoin oculaire qui est très impliqué avec nous, qui était là, hein, le premier jour, mais il y a eu une deuxième rencontre après. Donc vous voyez que nous connaissons les méthodes operandi de ce système criminel, ce système qui a utilisé toutes les méthodes d'empoisonnement. Nous savons les formes d'empoisonnement. Aujourd'hui, les formes d'empoisonnement sont les formes les plus radicales qui existent, les plus performantes qui existent, vous voyez. C'est une hypothèse, nous n'accusons personne, mais nous nous sommes dit, avec la forme dont le doyen Mbiki de Nanité Lamio combattait le régime criminel, si je sais simplement de prendre quelques paroles du doyen Mbiki de Nanité Lamio, il avait toujours dit le départ sans condition du fils adultère de Moebara, ce sont les paroles du doyen Mbiki de Nanité Lamio. Il prenait le départ sans condition, il prenait le rassemblement
des Congolais autour d'une véritable force de libération, et simplement pour chasser ce régime. Mais nous n'avons pas compris comment le doyen Bikin Ntelamyo s'est fait laisser avoir facilement d'aller rencontrer face à face. Qu'est-ce que Ngolo, Pierre Ngolo, pouvait apporter comme solution à doyen Bikin Ntelamyo, connaissant que Pierre Ngolo représentait le pilier même du mal au sein de ce régime kleptomane et dictatorial du Congo-Brazzaville. Donc nous avons protesté énormément. Voilà pourquoi nous avons demandé à la famille, nous n'accusons rien, de demander une autopsie approfondie. Ouais, certains vont nous parler d'une crise cardiaque, d'une infarctus, des trucs pareils. Mais en tout cas, nous savons aujourd'hui qu'il y a des crises cardiaques qui sont provoquées. Il y a des AVC qui sont provoqués, des techniques d'empoisonnement, c'est énorme, ouais, chers amis. Et nous demandons encore à la famille de pousser, hein, c'est possible, de pousser fort à demander une autopsie approfondie, vu que Bukele Ntelamyo n'était pas n'importe qui, mais il faut le dire, c'était un titan dans la résistance, c'était un homme fort, un homme qui pouvait apporter ses valeurs dans la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes, on peut dire, ces gens qui ont travaillé avec le doyen Bikin Ntelamyo ici au Canada, et nous avons beaucoup bénéficié de la connaissance de ce grand titan politique, de ce grand titan, de ce grand intellectuel congolais. Donc vous voyez que nous le disons encore au peuple du Congo-Brazzaville, que nous protestons énormément sur le décès de Bikin Ntelamyo. Et c'est quelqu'un que nous avons beaucoup respecté, c'est quelqu'un que nous avons beaucoup appris, hein, de l'homme par rapport à ses connaissances. Donc voilà, le doyen est parti, il y a des obsèques qui s'organisent, et nous, certainement, on va vous tenir informés, cette diaspora du Canada vous tiendra informés, et la famille aussi certainement vous tiendra informés des suites sur les obsèques du doyen Bikin Ntelamyo. Bon, il faut aussi dire que, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous avons aussi perdu Augustin Kalakala. Mais c'est avec peine, hein, que moi j'ai appris ce matin le décès d'Augustin Kalakala. Bon, qui va Augustin Kalakala? Vous vous souvenez? Augustin Kalakala est qui? C'est un ancien journaliste, donc un spécialiste de la communication. Il a été un proche de Okombi Salissa, vous voyez? Et Augustin Kalakala, c'est ce monsieur qui avait été kidnappé, on peut le dire comme ça, kidnappé chez lui, le 29 septembre 2016, à son domicile, par les agents de la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, donc de la DGSP, donc, éventuellement la brigade criminelle de Sassou Denis. Ils sont venus le kidnapper chez lui, donc vous voyez qu'il y a eu des témoins. Tout le monde a vu quand on l'a emmené minu militari, hein, pour aller simplement le torturer. On l'a incarcéré pendant plus de 5 mois dans les geôles de Sassou Nguesso. Et vous voyez que, regardez les signes, les tortures qu'on avait infligées à ce compatriote, tous quand nous avons vu le corps, le corps de ce compatriote, nous avons crié au scandale, vous voyez, chers amis. Et vous le voyez, son état de santé se dégrader de plus en plus. Mais vous savez, quand vous rentrez dans les geôles de Sassou, il n'y a pas seulement les tortures. Vous ne pouvez, si vous avez la chance de sortir de là vivant, mais vous allez sortir de là empoisonné. Donc ce compatriote avait été torturé jusqu'à mort. On le croyait déjà mort. Ils sont venus donc jeter son corps dans la cour de la morgue municipale de Brazzaville. Vous vous souvenez certainement de cette affaire. Et éventuellement, ce compatriote, comme vous le voyez, est décédé. Ce matin, nous avons appris la mort de ce compatriote. Encore, on peut dire, victime du système Sassou, une victime due aux violences répressives de ce régime criminel et kleptomane de Brazzaville que nous sommes en train de combattre avec la plus grande énergie. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on se met à torturer les nôtres. On se met à torturer les citoyens congolais de cette façon jusqu'à la mort, sans impunité. Et tous ceux qui ont commis des crimes sont totalement en liberté. Éventuellement, le garant de ces crimes, c'est Sassou Denis et son système de répression. Bon, vous le savez, eux, ils avaient proposé à Kalakala, quand Kalakala est sorti, ce même régime, hein, ils sont allés proposer à Augustin Kalakala une possibilité, hein, de on prétend le faire exfiltrer du Congo pour qu'il aille à l'extérieur comme réfugié.
Mais en réalité, ils savaient, parce qu'eux, ils ne voulaient pas que Kalakala puisse mourir au Congo-Brazzaville. Savant déjà qu'ils avaient torturé l'homme jusqu'à mort, savant déjà qu'ils avaient imbibé le poison dans le corps de l'homme, sachant déjà qu'après un certain temps, ce compatriote ne devait pas sortir vivant. Ce compatriote est rongé par le poison infligé par le régime. Ce régime a voulu simplement se dédouaner, hein, c'est-à-dire qu'en proposant à Kalakala d'aller vivre à l'extérieur du Congo, en lui proposant, parce qu'ils ont proposé à Kalakala des multimillions, milliards même de francs CFA, qui devaient lui permettre d'aller vivre à l'extérieur, tout en sachant que l'homme était simplement une épave qui devait mourir parce que le poison le rongeait. En dehors des tortures, le poison le rongeait. Augustin Kalakala, intelligent qu'il était, il a refusé parce qu'il connaissait qu'une fois s'il partait à l'extérieur du Congo, s'il mourait, le régime allait se dédouaner, hein, pour dire que bon, il est mort d'une mort naturelle, tout en sachant que l'homme avait été empoisonné. Donc vous voyez que ça fait partie des violences policières qui démontrent encore les abus graves de droits de l'homme, les répressions, que le Congo est une prison à ciel ouvert. Le cas de Ntsuru, certainement vous connaissez, Ntsuru qui est mort en prison. Aujourd'hui, on nous parle du général Mokoko, qu'on a simplement endurci les conditions, hein, où on a même porté des restrictions fermes à ses avocats de le visiter. Donc vous voyez que nous nous dirigeons certainement à l'assassinat du général Mokoko, si ce peuple congolais-là n'est pas vigilant. Hein. Nous allons aussi nous diriger vers l'assassinat de Okombi Salissa. Vous voyez que si ce régime n'a pas pardonné des Kalakala, comme il y a à plus forte raison, ceux-là qui ont résisté, ceux-là qui ont au moins fait semblant de résister, Okombi Salissa a résisté aujourd'hui, il est là. Et donc vous connaissez que si ce peuple-là ne se lève pas, si ces militaires-là que le général Mokoko a donné des galons, a boosté, ne se souviennent pas de celui-là qui les a rendus des services, ces gens-là finiront comme Ntsuru, ces gens finiront comme Kalakala. C'est ça la réalité. Parce qu'on nous parle même des tentatives d'assassinat, d'intrusion à la maison d'arrêt de Brazzaville pour le général Mokoko. Ça, c'est ce qu'on nous rapporte. En tout cas, vous connaissez ce régime. Il y a une seule chose qui pourra sauver ses compatriotes de cette mort. C'est le peuple congolais, dans son ensemble. Que tu sois congolais du sud, tout à l'heure, nous venons de faire passer, en commençant ce direct, par ce ras-le-bol de cette maman qui parlait en lingala, qui le dit d'une manière claire, qu'il va falloir que le peuple prenne conscience, parce que si vous ne prenez pas la conscience, Sassou est en train de nous vider les cadres de ce pays. Les cadres, néanmoins, qui ont essayé de résister à lui. On ne peut pas être mouton jusqu'à ce point. On ne peut pas avoir la peur jusqu'à ce point. Il va falloir que nous nous réveillons éventuellement pour mettre fin à ce régime brutal et criminel. Mais l'exemple de Kalakala, de Ntsuru, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle Paulin Makaya, qui est déjà empoisonné. C'est ça la réalité. C'est pas pour rien le régime empêche Paulin Makaya de sortir, parce qu'on sait qu'à un certain moment, ils ont des durées, c'est des poisons sophistiqués. Ça ronge le corps de l'homme. À un certain moment, ils vont autoriser Paulin Makaya de sortir hors du Congo. Et simplement, quand Paulin Makaya aura cette autorisation, mais le poison aurait déjà rongé ce corps de ce monsieur, et ce serait déjà trop tard. Alors, chers compatriotes, démocrates africains, tous nos cadres sont en train de partir devant nous, on est en train de nous les emprisonner, de nous les assassiner, et nous nous sommes là, assistants, inactifs, tétanisés, parce que nous craignons cet homme qui pense être le plus fort, le plus puissant. Bon, il est temps que ce peuple prenne véritablement conscience de notre situation. Parce que si nous ne prenons pas conscience, ça sera l'hécatombe de ce pays. Voilà. Donc ça, c'était sur ce point. J'aimerais tout simplement rapidement rentrer dans le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Bon, pour ceux qui lisent un peu, cette affaire du Congo, ils vont donc se rendre compte que c'est au tour d'un conseil des ministres organisé par ce régime de Sassou, le 29 avril, que ce régime est venu faire un communiqué pour vous dire qu'il y a eu un accord entre ce régime criminel et dictatorial avec la Chine. Ça, c'est ce qu'ils sont venus nous faire miroiter. Bon. Pour des Congolais avertis,
ils doivent d'abord chercher à comprendre, en réalité, qu'est-ce qui se définit dans cette affaire de pouvoir trouver un accord entre la dette de Sassou et la Chine. Hein, c'est ça, il faut faire cette différence. La dette de Sassou, la dette du système Sassou, n'est pas la dette du peuple congolais. La dette des gens qui font partie du système Sassou, ceux-là qui sont partis s'endetter, les fossoyeurs du peuple congolais sont connus. Les plus grosses têtes sont connues. Vous avez Denis Christel, qui est le fils de Sassou. Vous avez Jean-Jacques Bouya, qui est le neveu de Sassou Nguesso. Vous avez Calix Ganongo, qui est le ministre de Sassou, donc quelque part un parent de ce régime. Et puis vous avez éventuellement Ondongo Gilbert, qui est aussi un parent de Sassou Denis. Et puis vous avez des généraux militaires qui ont été aussi impliqués dans les achats des armes qui font partie de tout ce bloc des parents de Sassou. Donc vous voyez que ça sont déjà les grosses têtes que vous connaissez, les gros poissons sont comptés, aussi tous ceux qui sont dans cette même famille, dans ce même clan, ceux-là qui sont en train de manipuler, y compris Sassou lui-même. Et puis il faut voir un peu toute cette magouille, toute cette, on peut dire, une toile d'araignée de mafia qu'on a mis en place pour pouvoir piller l'argent du Congo-Brazzaville. Éventuellement, vous allez parler des gens comme de Lucien Ibata, de Ngokana et tout ce monde qui sont partis de la mafia financière et aussi de la mafia dans le système des mines qu'ils ont mis en place pour piller le Congo. Mais il faut le dire que ces gens-là ont contracté une dette que nous, nous qualifions dans ce direct, la dette de Sassou. Non, non, c'est la dette de Sassou, ce n'est pas la dette du peuple congolais. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, quand nous allons libérer le Congo, le peuple congolais va s'asseoir, va appeler tous ces créanciers du Congo que Sassou est allé s'endetter et nous allons donc dépouiller les bases pour leur dire que cette dette que vous l'avez donnée à Sassou Nguesso, vous l'avez, parce que vous avez tous su que ce régime n'a jamais été voté par le peuple congolais. C'est ça la réalité. Quand vous faites face à un régime illégal, illégitime, vous ne pouvez pas leur donner de votre argent, hein, parce que la majorité qui est le peuple, celui qui est détenteur du pouvoir, n'a pas donné le mandat à Sassou de diriger le Congo. Donc si vous partez s'endetter, le Congo est fait des intellectuels. Nous allons dépouiller ces dettes, comme d'ailleurs avaient fait les Malaisiens, hein, qui ont dépouillé la dette, qui se sont dit, vous avez coopéré avec un régime kleptomane, vous avez coopéré avec des voleurs, nous ne paierons pas cet argent, et nous allons déballer la machine pour démontrer que les dettes données ont été faites sous l'influence des pourcentages, des commissions, donc il y a eu corruption à haut niveau. Donc nous, le peuple congolais, nous ne reconnaissons pas ces dettes-là. Donc vous voyez que si vous essayez de regarder les manipulations de ce régime, pourquoi ce régime est venu vous mener cette grande publicité, de vous parler que, tiens, nous avons eu un accord avec le Fonds monétaire international, mais ça fait partie des techniques de manipulation des masses, techniques de manipulation de l'information. Peuple congolais, nous sommes là pour vous éclairer, pour vous ouvrir les yeux. Nous ne sommes pas les plus beaux ou les plus intelligents. Mais avec notre petite connaissance de la langue française, notre petite connaissance de l'anglais, nous essayons d'aller lire les informations pour vous faire comprendre, pour vous ouvrir grandement les yeux. Sassou sait qu'il est au bout du souffle. Donc, il essaie de venir vous mettre la poudre de perlimpinpin dans vos yeux. Ce que nous avons l'habitude d'appeler la poudre des piments dans les yeux de Congolais. Éventuellement, Sassou a peur simplement d'un soulèvement populaire. Sassou a peur d'une grogne générale, même au sein de ses forces de la Gestapo, ses forces miliciennes, militaro-militaires qu'il est en train de mettre en place. Sassou a simplement peur qu'il y ait un débordement du peuple congolais. Donc, pour essayer de rassurer le peuple, il vient vous bondir avec ses machines de propagation comme la télé Congo, la télé Fou, où vous appelez la télé Congo, la radio Congo, où vous appelez, et un certain nombre de médias ou des journaux, comme par exemple Jeune Afrique, dirigé par Soudan, dont sa femme fait partie de ce régime kleptomane d'oyocratie, comme ministre des touristes. Vous voyez, on utilise ces gros canaux, ces grands moyens, éventuellement pour faire cette propagande du système. La propagande, c'est quoi? Pour vous dire, puisque vous savez que le Fonds monétaire international a conditionné une quelconque restructuration de la dette du Congo avec un accord, potentiel accord avec le Fonds monétaire. C'est pour essayer de regarder la dette avec la Chine. Donc ces gens-là, vous,
battent à un conseil de ministres et vous viennent vous disent qu'il y a eu restructuration, il y a eu accord entre nous et les Chinois. Une façon d'essayer d'apporter l'espoir au sein de ces mêmes troupes de la Gestapo qui sont déjà en plein d'ébullition, qui sont déjà au point de retourner leurs propres armes contre l'homme qui les a demandé de fusiller le peuple. On vous bondit donc un accord. Mais, chers amis, nous allons vous ramener sur ce que nous appelons la restructuration. Qu'est-ce que c'est la restructuration? La restructuration veut simplement dire réorganiser sur les nouvelles bases. Réorganiser sur les nouvelles bases. Ou réaménager, ou réorganisation. Mais, comme pour rappel, chers amis, on va vous rappeler les faits. Comment nous sommes arrivés là? Entre 2005 et 2010, le Congo bénéficiait d'une réduction de la dette par une magouille qu'il y a eu entre les Dominique Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy en plaçant le Congo dans une catégorie qu'on appelle des pays pauvres très endettés. Ce qui a permis le Congo de réduire sa dette. Donc on a réduit la dette du Congo partant de 119% de son PIB jusqu'en 33% de son PIB. Donc vous voyez que la dette du Congo a été réduite quasiment à plus de 60%. Benoukou wambo te yabampangemou. Bameku duminé mfouka ya le Congo. Bameku zenga ya ou. Bameku zenga ya na. Bameku divise ya na ba par tatou. Betumeku makaka na mfouka ya fieti. Notre dette a été réduite. On a réduit la dette du Congo. Donc la dette a été réduite en partant de 119% du PIB. On a réduit à 33% du PIB congolais. Donc quasiment 60% de la réduction de la dette du Congo. Et ça s'est passé entre 2005 et 2010. Pendant ce temps, le pays a fait d'énormes revenus. Boom, pétrolier. Le pays s'est même doté des réserves, ce que nous appelons les réserves des générations futures, où tous nous savons qu'il y a eu minimum 14 000 milliards de francs CFA qu'on a injectés au niveau de la Banque économique des États de l'Afrique centrale. Les 14 000 milliards que nous savons, à partir de 2014, on peut dire 2015, les 14 000 milliards ont disparu dans les caisses de la Banque économique de l'Afrique centrale. Donc vous voyez qu'on nous réduit la dette de 119% à 33% du PIB. Et ça, ça s'est passé entre 2005 et 2010. Nous le savons. Qu'en 2014, il y a eu ralentissement mondial économique, le baril du pétrole a subi donc un coup, il y a eu réduction. Et le régime Sassou Nguesso a couru pour venir blâmer le baril de pétrole. Pendant ce temps, tous les autres pays qui avaient la connaissance économique avaient déjà pensé à diversifier l'économie pour essayer d'aller chercher la force de leur économie dans différents secteurs. C'est ce que plusieurs pays ont fait, plusieurs pays pétroliers ont fait. Mais le régime Sassou continue à blâmer le baril de pétrole parce que c'est des gens qui n'ont jamais planifié la structure économique du Congo-Brazzaville. Ils ne comptent qu'à prendre le pétrole, à brader l'argent du Congo-Brazzaville, à brader le pétrole, c'est-à-dire on vend le pétrole qui est déjà sous terre, sans pourtant même connaître les quantités. Mais ils ont déjà reçu le cash. C'est comme ça que ces gens-là ont évolué. Et vous voyez que nous sommes partis sur des bases déjà autour de, après 2010, de 33%. Donc nous avons seulement notre dette qui est à 40% de notre PIB. Donc on a réduit quasiment énormément. Le pays a eu donc une nouvelle base. Mais vous voyez qu'à partir de 2014, quand même que le pays a eu à faire des revenus, le pays a déposé beaucoup d'argent à la Banque économique de l'État de l'Afrique centrale, la dette du Congo commençait donc à exploser à partir de là. Les gens commençaient à aller s'endetter. Donc, nous sommes partis donc de 33% du PIB jusqu'à 110% du PIB en 2017. Et ça, c'est ce que seulement nous appelons la dette extérieure. La dette extérieure, sans compter la dette intérieure, c'est-à-dire des entreprises au Congo qui ont donné des services à l'État congolais, mais que l'État congolais n'a jamais payé. Hein? Si cette dette n'a jamais été quantifiée, n'a jamais été présentée. C'est ça la réalité. Hein? Parce que même quand le Fonds monétaire international est venu, le Fonds monétaire international a basé la dette du Congo sur son PIB de 110% sur la dette extérieure.
Ils ont estimé, parce que les véritables valeurs ont été cassées avec les dettes que Sassou a développées et les Chinois. Avec la dette que Denis Christel a développée avec la Chinois, avec les Chinois, avec la dette que Gilbert Ondongo, que Bouya Jean-Jacques, que Ganongo Galix a développée, la dette que les généraux militaires ont développée avec la Chine. Donc vous voyez que nous sommes partis au point de départ. On nous a réduit la dette de 119% de PIB à 33% entre 2010, en 2005 et 2010. Et à partir de 2011, nous avons augmenté encore cette dette de 33% du PIB, quasiment à 110% du PIB. Mais si vous ajoutez la dette intérieure, nous en sommes sûrs que nous allons exploser cette dette du Congo à plus certainement à 300% du PIB congolais. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Donc nous vous présentons là un certain nombre de faits. Sassou, on estime aujourd'hui, le Fonds monétaire international estime la dette du Congo avec la partie chinoise quasiment à 2 milliards de dollars américains. Hein, 2 milliards de dollars américains. Nous avons prévu une petite charte ici. Nous sommes simplement dans le site du Fonds monétaire international. Nous sommes ici dans le site du Fonds monétaire international. Vous voyez, chers amis. Et nous sommes bien ici au Congo-Brazzaville, le pays qui est là. Republic of Congo, Congo-Brazzaville dans notre pays. Comme vous le voyez ici, chers amis, nous sommes ici dans International Monetary Fund, donc c'est le Fonds monétaire international et nous sommes bien en République du Congo. On va vous présenter rapidement une petite charte. Vous voyez, la charte ici vous parle du PIB, donc le pourcentage annuel par année et puis vous avez le taux d'inflation rapidement. Si vous essayez de regarder par rapport aux années, nous sommes donc en réalité la courbe rouge vous représente le PIB et la courbe verte bleue vous représente le taux d'inflation par année en pourcentage. Donc vous voyez que, et si vous avez ici les années, donc vous voyez que entre les années 2000 et les années, on peut dire 2019, vous voyez que le PIB du Congo, comme nous l'avons dit, ne fait que aussi vers la partie négative. La plupart du temps, nous sommes dans la partie négative. Et vous avez vu que Sassou a repris le pouvoir quasiment de 1997 par le coup d'État militaire. Le PIB du Congo n'a jamais galopé, n'est jamais parti plus haut. Donc vous voyez que le PIB du Congo n'a jamais passé. Vous voyez par rapport à cette courbe, vous voyez que nous sommes la plupart du temps dans la partie négative. Ça veut seulement dire que les dépenses du Congo ont beaucoup dépassé les revenus de ce pays-là. Et si vous avez le taux d'inflation va commencer à galoper. On prédit une augmentation au fur et à mesure que nous sommes en train d'augmenter dans le temps. Donc, autour de 2019, c'est par rapport à là, si vous voyez que la courbe bleue va commencer à galoper, l'inflation du Congo va commencer à augmenter. Donc, vous voyez que nous allons partir de 1,5, le taux d'inflation, 1,8, 1,9, 2,8, 3. Donc cette courbe d'inflation là vous montre la tendance de la souffrance du peuple congolais dans les jours à venir, dans les années à venir, si nous maintenons ce régime au pouvoir au Congo-Brazzaville. Donc ça veut dire que les gens auront du mal à se nourrir et ça sera la catastrophe économique du Congo si ce peuple là ne prend pas réellement conscience, hein, de leur avenir, de leur futur. Donc Sassou qui a donc du mal à pouvoir, pour éviter le défaut de paiement, il rentre déjà dans un défaut de paiement de la dette avec des créanciers. Sassou donc fait appel à qui? Au Fonds monétaire international. Donc vous voyez que ça ne fait pas longtemps que ce même Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont aidé ce même Sassou. Et là, il a eu la chance d'avoir une dette très réduite, mais l'homme, mauvais gestionnaire, manque de transparence, mauvais gouverneur, et en plus il faut ajouter la criminalité de l'homme, parce qu'il représente le mafieux numéro un, est donc incapable de pouvoir simplement rembourser la dette. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut donc aller donc voir le Fonds monétaire international pour que le Fonds monétaire international vienne donc essayer de le sauver. Vous savez que les Chinois n'aiment pas ça. Les Chinois n'aiment pas ça. Les Chinois ont trouvé que Sassou voulait donc les déjouer.
Et donc, les Chinois commencent à pincer. Les Chinois n'acceptent plus de pouvoir donner de l'argent à Sassou. Voilà pourquoi vous avez vu des projets comme la construction du deuxième port de Pointe-Noire, ce que nous appelons le port minier de Pointe-Noire, à 9 km côté nord, donc dans la pointe indienne, avec une base militaire chinoise à Konkwati, a ralenti, c'est-à-dire ce port minier dont les miniers du Congo, ceux-là qui sont en train d'exploiter le fer de Zanaga, le fer de Mayoko, comptaient dessus, parce que c'est par rapport à là qu'ils devaient augmenter les capacités. Vous savez aujourd'hui que Zanaga Iron Ore Company Limited est en train maintenant d'exploiter le côté du Gabon, parce qu'il y a déjà le chemin de fer qui va venir à la frontière du Congo du Gabon, pour commencer à sortir le minerai qu'ils vont extirper à partir de Zanaga, en passant par le Gabon. Donc un manque de gain pour le Congolais, un manque d'emploi pour les Congolais. Donc en réalité, les minerais du Zanaga ont été vendus, dont les Congolais ne vont jamais profiter. Parce que les Chinois commencent à dire que nous ne pouvons plus financer ce fameux port de Pointe-Noire s'il ne trouve pas réellement clair. Oui, chers amis. Le Fonds monétaire international arrive, mais les conditions posées par le Fonds monétaire international, nous le savons. Premièrement, le Fonds monétaire international pose la condition. Parce que le Fonds monétaire international est arrivé, dit, non, jamais on ne peut pas vous donner de l'argent, on ne peut pas vous aider. Il va falloir que nous regardions, parce qu'il n'y a pas de sens, il y a trop de corruption, trop de fraude, il y a trop de magouille, il n'y a pas de transparence avec cette dette chinoise. Le Fonds monétaire international pose une première condition. Il faut restructurer la dette du Congo avec tous les créanciers. Quand on parle des créanciers du Congo, il n'y a pas que la Chine, parce qu'il faut le dire que la Chine détient le un tiers de la dette du Congo. La Chine détient le un tiers de la dette du Congo. Donc les deux tiers de la dette du Congo, c'est d'autres créanciers qui possèdent ça. Éventuellement, vous aviez des traders comme Trafigura, comme Glencore et d'autres qui détiennent encore une partie. Donc quand le Fonds monétaire international parle de la restructuration de la dette du Congo, on ne voit pas seulement la restructuration de la dette avec la banque Chine, la banque des Chinois, qu'on appelle je vais simplement lire ce nom-là d'une manière claire. Vous voyez, chers amis, ce n'est pas un accord entre simplement Jean-Jacques Bouya et cette banque chinoise. Je suis en train de chercher ce nom de cette banque chinoise, cette multinationale chinoise qui est en train de Exim Bank. Donc vous voyez que s'il y a restructuration de la dette comme l'a demandé le Fonds monétaire international, ça ne doit pas seulement se faire entre Sassou et la Chine, entre Sassou et Exim Bank, qui est une banque chinoise. Mais il faut aussi qu'il y ait restructuration de la banque, de la dette de Sassou et la Chine, et de Sassou avec les traders comme Glencore, comme Trafigura, comme plusieurs autres traders, et aussi d'autres créanciers qui détiennent l'argent du Congo. Donc, on va restructurer cet argent en un seul bloc pour essayer de négocier un taux d'intérêt, pour permettre au Congo de respirer, et on permet à Sassou de respirer, et en même temps, en train de payer sa dette. Donc, il ne s'agit pas ici de venir nous dire en grande pompe que nous avons eu un accord avec la Chine et que les problèmes du Congo sont résolus et que le Fonds monétaire international va venir donc donner de l'argent à Sassou. Non, chers amis. Il s'agit de restructurer la dette, les un tiers de la dette dont la Chine détient, et puis les deux tiers avec les autres créanciers que nous appelons ici les traders. Parce que souvenez-vous, les traders ont donné de l'argent cash à Denis Christel et à Sassou Nguesso et tout le système. Et pendant ce temps, les gens n'avaient pas encore reçu le baril de pétrole, n'avaient pas encore reçu le mazout, n'avaient pas encore reçu le pitloy. Ils n'avaient pas encore. Bavanda avait été à cause de pétrole, mais Bame Kouzoua, déjà Mbongo, Ina, Sassou, Mme Kouzoua, Meyan Mekoupé savait Mafuta Yandombe, Nabantouya et Kekona Texakayao. Donc c'est ça que nous voulons dire au peuple congolais. Donc quand ce régime de Sassou, le 29 avril, vient de vous bondir qu'il y a eu un accord avec le Fonds monétaire international, attention, avec la Chine, pardon, attention, ce que le Fonds monétaire international exige, c'est que toutes les dettes du Congo, la dette chinoise, la dette des traders, la dette de tous les autres créanciers, soient regroupées en un seul bloc. Donc s'il y a un accord entre Sassou et la Chine,
Il n'y a pas eu l'accord entre Sassou et les traders. Donc, le fonds, sur ce plan, le Fonds monétaire international ne peut pas venir restructurer Sassou, donner Sassou de l'argent, donner Sassou un prêt. Parce qu'en ce moment-là, le Fonds monétaire international lui-même aurait marché dans la fausseté. Ils n'ont pas pu respecter leurs propres principes. Et nous, les tenons là, nous les tenons là sur leur corps, nous les tenons là avec leurs propres paroles. Restructuration de la dette avec les créanciers du Congo. Les créanciers, il ne s'agit pas simplement de la Chine, mais il faut aussi voir Trafigura, Glencore et toutes les autres nations qui ont donc payé l'argent, qui ont donc donné de l'argent à Sassou. Et puis, une autre exigence du Fonds monétaire international, c'était quoi? Réexaminer les clauses et la crédibilité. Réexaminer les clauses et la crédibilité de ces prêts. Ça faisait partie des conditions du Fonds monétaire international. Donc vous voyez que si Sassou Nguesso vient avec son téléfoufou, vous parlez d'un accord pour essayer d'apporter l'apaisement au sein du peuple, pour essayer d'abaisser la grogne, pour essayer de toujours maintenir le soutien de ces Congolais-là, éventuellement de son régime militaire. Mais Sassou, c'est de la poudre de piment dans vos yeux. Parce que les clauses, les exigences, la première exigence du Fonds monétaire international n'a pas été respectée. N'a pas été respectée. Est-ce que il y a eu la crédibilité, le contenu de ce contrat, est-ce que Sassou l'a présenté au Fonds monétaire international? C'est ce que le Fonds monétaire international exige, c'est ce que le peuple congolais exige. Nous voulons voir le fond de ce contrat. Qu'est-ce qui avait été écrit? Quelles sont les dates de péremption? Qu'est-ce que le Congo devait payer? À quel taux d'intérêt? Et qui avait signé? Est-ce que c'est le gouvernement congolais? C'est au nom de qui? Est-ce que tout cela est répertorié? C'est ce qu'on appelle la crédibilité, la transparence. Excusez-moi. Donc vous voyez que s'il n'y a pas restructuration sur ce premier point, s'il n'y a pas restructuration de toutes les dettes, c'est-à-dire la partie chinoise, les créanciers, les autres créanciers, Glencore, Trafigura, ce que nous appelons les traders et les autres, s'il n'y a pas réexamen, s'il n'y a pas, on ne réexamine pas les clauses de ce contrat, c'est-à-dire ce qui avait été écrit, quelles sont les conditions, quelles sont les obligations des deux parties, éventuellement lesquelles qui ont signé, si vous ne présentez pas ça au Fonds monétaire international ou au peuple congolais, la crédibilité déjà de la condition numéro un n'est pas respectée. Donc au peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas. Sassou est venu vous faire la propagande seulement dans la partie chinoise. On ne connaît pas encore ce qui se passe avec les traders. Mais nous avons su que les jours passés, des traders étaient au point de lancer des poursuites judiciaires contre Sassou, contre le régime Sassou. Donc vous voyez qu'il n'y a pas l'accord avec ces traders-là. Ça, c'était la première condition. La deuxième condition du Fonds monétaire international, c'était les réformes structurelles. Qu'est-ce que c'est les réformes structurelles? Les réformes structurelles, c'était de mener des audits au sein de la Société nationale de pétrole du Congo, de la SNPC. Vous comprenez ça, aujourd'hui, qui est dirigé par Ominga, un parent de Sassou Nguesso, qui était d'abord dirigé par Denis Christel, le fils de Sassou Nguesso. Donc, chers amis, il faut que vous compreniez bien ce que nous sommes en train de dire. La deuxième condition, des réformes structurelles. Parmi les réformes structurelles, l'audit au sein de la Société nationale de pétrole du Congo. Cette société qui vend le pétrole, cette société qui fait tout le trading de ce pétrole-là. Combien rentre? Qui a vendu? Qui a signé? Il a vendu à qui? C'est ce que nous appelons les cargaisons fantômes. Qui vendait ces cargaisons fantômes-là? Parce que ces cargaisons fantômes-là sont répertoriés. Il y a tout un dossier qui est là, que nous avons reçu dans une clé USB. Voyez, chers amis, l'installation des organes de lutte contre la fraude et la corruption. Vous voyez que Sassou est venu vous faire de la poudre de perlimpinpin en nommant un homme qui est attaché au régime Sassou et vous dit que c'est une organisation de lutte contre la criminalité, de la fraude et la corruption. Mais cette organisation que Sassou a mise en place n'a jamais convoqué Denis Christel pour venir s'expliquer. Parce que tout le monde sait qu'il y a eu une mafia, il y a eu le vol, il y a eu le pillage. Cette commission, en réalité, est sous le dictat
de Sassou. Donc, c'est une fausse commission. Nous voulons une vraie commission du peuple congolais. Donc, vous voyez que le régime Sassou n'est pas un régime légitime pour pouvoir mener ces réformes-là, la transparence-là, la clarté, la vérité, la transparence, le vrai. Ce régime-là n'est pas capable de le faire. Donc, vous voyez que sur la lutte contre la fraude, la corruption, ce régime est incapable de le faire parce que ce régime est illégitime. Je vais simplement essayer de dire mieux de ce son pour que ça ne nous dérange pas. Parce que ce régime est illégitime. Et puis, la réduction du train de vie de l'État. Mais vous voyez que depuis que ces négociations-là avaient commencé, depuis avec le Fonds monétaire international, Sassou n'a jamais réduit le train de vie de l'État. Le nombre de ministères, de ces ministres sont toujours restés les mêmes. Nous sommes en train de voir des gens que Sassou sont en train d'envoyer dans des formations, éventuellement la grande partie des formations militaires. La liste dont nous avons récemment publié, qui représente quasiment 99% des gens de son ethnie qu'il est en train d'envoyer en formation militaire. Éventuellement, cette brigade d'intervention, cette brigade spéciale d'intervention rapide qu'il venait de mettre en place, une brigade qui venait d'être mise en place pour se préparer militairement à mener encore des réformes, des répressions massives au sein du peuple congolais, parce qu'il est déjà en train de préparer une élection en 2021 ou avant 2021. Ces Congolais-là, ressortissants de l'ethnie de Sassou Nguesso dans la plupart du temps, vont donc compléter une partie de leur formation au Cameroun et éventuellement une autre partie en Russie. Et cette note a été publiée, signée par Zéphirin Mboulou. Allez-y sur Brazza News, vous allez certainement voir le contenu de cette lettre-là. Toutes les formations militaires, des dépenses exponentielles que cet homme est en train de mettre, vous voyez, vous comptez à cela la construction, un cadeau qu'il a donné à l'église catholique, complice du régime kleptomane de l'oligarchie, une fête à coût de milliards de dollars qu'il dépense pour l'anniversaire de la mort de sa fille Edith, des voyages à outrance à coût de millions de dollars américains, ce qui pouvait être utilisé pour mener ou améliorer les conditions de réussite scolaire pour nos enfants, des conditions de maternité pour nos femmes, une vidéo qui est en ligne qui nous montre des conditions de maternité pour des femmes, des militaires. Ça se passe à l'hôpital militaire. Voilà les coro-coro qui protègent un régime kleptomane de Brazzaville et leurs femmes couchent dans des conditions bidons. Mais ces mêmes militaires-là ne comprennent pas que l'ennemi, ce n'est pas le peuple, l'ennemi, c'est celui que ces militaires-là sont en train de garder. Donc vous voyez que la réduction du train de vie de l'État, il n'y en aura pas avec le régime Sassou, parce que c'est un régime qui doit se maintenir, éventuellement par le biais de nominations et des corruptions. Tout ça, c'est un manque à gagner pour l'État congolais. Vous avez aussi vu tous ces jeunes qui venaient de nommer, qu'il a appelé Conseil consultatif de la jeunesse, une façon de pouvoir amener ces jeunes moutons-là à s'accrocher à l'idéologie Parti Congolais du Travail, éventuellement ces jeunes espions qui travaillent pour les services secrets de Sassou, au sein de toute la jeunesse, au sein de tous les départements qu'il venait de nommer, éventuellement ce sont des agents secrets que Sassou a mis pour rapporter des informations, pour chercher à comprendre quels sont les jeunes qui sont en train de préparer le soulèvement populaire. Oui, chers amis. Et donc, tout ça, ça fait partie des dépenses publiques qui n'ont pas de sens, mais cet homme n'a jamais pensé à réduire. Donc, vous voyez que sur ce premier point, les réformes, le deuxième point, les réformes structurelles, l'audit de la Société nationale de pétrole du Congo, lutte contre fraude et la corruption, la réduction du train de vie de l'État, ça encore, c'est un secteur que Sassou n'a pas respecté. Éventuellement, une troisième condition, c'était aussi une façon de pouvoir apporter la décryptation, la décryptation politique, donc simplement essayer d'apporter la paix, hein, que la situation politique soit une situation saine, une situation normale, dans des véritables conditions de démocratie, un État démocratique, les libertés d'expression, les libertés de parole qu'on allait apporter. Mais là encore, l'homme ne l'a pas fait. Éventuellement, dans cette condition, on voyait certainement les libertés, la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion. Des prisonniers politiques, vous avez Mokoko, vous avez Okombi Salissa, vous avez nos jeunes, vous avez ces journalistes qu'on est en train de malmener de gauche à droite. Vous avez éventuellement même les conditions, les libertés de se déplacer d'un point A à un point B. Donc vous voyez que les points de péage qu'on vous a infligés deviennent aujourd'hui une contrainte aux populations de se déplacer d'un point A à un point B, une contrainte qui freine
l'économie informelle que nous avons au Congo, éventuellement tous ces jeunes dans la partie sud qui vivent que des petits commerces, aujourd'hui nous sommes bloqués. C'est une stratégie. Le péage, surtout encore pour ceux qui vivent à Pointe-Noire, le péage de Mengo est un véritable frein, est un péage stratégique que ça soit mis pour voler le peuple congolais. Parce que tout le monde sait que vous, ceux qui vivent à Pointe-Noire, savent que Mengo est dans Pointe-Noire. Mengo est dans Pointe-Noire. Donc il ne devait pas y avoir péage à Mengo. Mais c'est un péage stratégique pour sucer tout citoyen congolais, même tout étranger qui vit au Congo, qui veut se déplacer dans les périphéries de Pointe-Noire. Vous voyez que, chers amis, ça fait partie des contraintes, des restrictions de liberté de mouvement des Congolais, des libertés d'expression. Éventuellement, dans cette même condition, on pouvait parler aussi d'un dialogue inclusif que Sassou ne peut jamais organiser. Parce que s'il y a dialogue inclusif que Sassou organise, ça va se faire à la sauce Sassou. Surtout si ce dialogue voilà, va se faire au Congo dans des conditions pareilles que nous connaissons. Nous avons dit que si nous voulons mener un dialogue normal au Congo dans des conditions saine, dans des conditions propices à la paix, véritablement amener des réformes dans le Congo, il va falloir que nous apportons 40 000 casques bleus au Congo pour emmener la sécurité, pour emmener la quiétude au sein de la population, éventuellement pour protéger aussi tous ces Congolais-là qui partiront de partout à cette grand dialogue que nous appelons la deuxième conférence nationale souveraine. C'est cette conférence qui apportera le changement. Et puis, il va falloir que dans les préalables, que Sassou Nguesso soit défait de son pouvoir, que toutes les parties s'unissent à choisir des gens qui vont diriger ce pays, qui vont mettre des réformes, qui vont diriger pendant cette période de cette conférence nationale ou de ce dialogue, de ce grand bongi national. Donc vous voyez que si vous n'avez pas les casques bleus pour sécuriser tous les Kalaka Yandouenga que nous appelons des Congolais intelligents, des Congolais moyens, des femmes intelligentes congolaises que nous connaissons pour amener des réformes de changement au Congo. Sous ce contexte-là, si vous n'avez pas les casques bleus, on ne peut pas parler d'un dialogue inclusif. Même quand vous avez, entre guillemets, Paulin Makaya qui appelle à un dialogue inclusif, ça ne peut pas se faire. Même quand on dit qu'il faut sa diaspora, la diaspora intelligente ne viendra pas dans des conditions où vous aviez la police militaire de Sassou qui tue dans ces conditions pareilles au Congo. Il va falloir que vous pacifiez le pays, qu'il y ait les forces des Nations Unies qui viennent, qu'on ne veuille pas, comme d'ailleurs qu'on le voit un peu en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, un peu partout, que ces forces-là étaient là, hein, quand même que les gens accusent ces forces-là, mais en tout cas, pour pacifier le Congo, si nous n'avons pas ces forces-là, vous ne pouvez pas parler d'une paix. On va parler d'une répression, d'un système kleptomane qui est là pour fusiller le peuple congolais. Donc vous voyez qu'après ces conditions, plus d'une année, il n'y a toujours pas d'accord. Il n'y a toujours pas d'accord. Sassou nous bondit le scénario de l'accord. Mais les Chinois ne procèdent jamais de cette façon, hein, chers amis. C'est ce que vous devez savoir. Si vous essayez de regarder le cas du Sri Lanka, du Djibouti, le Sri Lanka aujourd'hui, qui a bradé son port en haute mer, et aujourd'hui une propriété de la Chine pendant 99 ans, que les Chinois vont occuper ce port, les Chinois vont gérer le port du Sri Lanka pendant 99 ans. Aujourd'hui, la route entre Pointe-Noire et Brazzaville, Sassou nous miroite qu'une concession chinoise et française ont occupé cette route. Ils vont donc être des propriétaires de cette route pendant plus de 100 ans. C'est ce qu'on nous rapporte là, le régime de Sassou. Donc vous voyez déjà que la route là devient une propriété chinoise parce que les Chinois doivent récupérer leur argent. Si Sassou nous dit qu'il y a eu l'accord entre lui et la Chine, qu'est-ce que donc Sassou a bradé? C'est ce que le peuple congolais doit se poser la question. Qu'est-ce que Sassou a bradé pour éventuellement vous parler d'un accord avec les Chinois? Qu'est-ce que Sassou a vendu? Sassou a-t-il vendu tout le sud du Congo? Sassou a-t-il vendu une partie du nord du Congo? Qu'est-ce que ces gens-là nous cachent? L'accord que Sassou nous a parlé, il n'y a aucun chiffre. On nous parle d'aucun chiffre. C'est-à-dire, il n'y a pas de contenu. Nous ne savons pas qu'est-ce qui a été écrit dans cet accord. Donc, il va falloir déjà que cet accord soit public pour que les gens puissent avoir une certaine idée. Aussi, si vous essayez de regarder, qui a négocié l'accord de Sassou dont il est venu nous bondir le 29 avril? Mais ce n'était plus Lucien Ebata,
ce n'était plus Lucien Bata. C'est ça en réalité. Je suis simplement en train de retrouver mes notes pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Lucien Ebata avait été nommé par un décret ministériel et qui lui donnait le titre de négociateur de Sassou Nguesso au Fonds monétaire international. Donc c'est lui qui allait être, on peut dire, monsieur le FMI de Sassou Nguesso, monsieur le FMI du royaume d'Oyocratie, monsieur le FMI du Sassou-Londe, c'est Lucien Ebata, un escroc qui s'est doté d'une fortune dans le domaine du pillage et de vol dans le secteur pétrolier. Donc vous voyez que celui qui est le négociateur de Sassou, mais comment ça fait-il qu'un accord dont Sassou nous a bandi le 29 avril, c'est maintenant Jean-Jacques Bouya qui devient donc le négociateur de cet accord. Ça n'a pas de sens, hein, chers amis, ça n'a pas de sens. Nous pensons que c'est Lucien Ebata qui devait nous annoncer. Mais là, on nous fait croire que c'est Jean-Jacques Bouya, l'homme qui est aussi détenteur ou propriétaire de toutes ces compagnies chinoises qui ont joué à l'escroquerie au niveau du Congo-Brazzaville avec des travaux, avec des constructions, ce que nous avons appelé les constructions sur du sable, toutes ces constructions qui apportent le malheur dans ce peuple congolais. Le peuple de Ngamakoso peut certainement en témoigner. Ceux qui sont en Vilou, Moutabala, même au rond-point de Moumi peuvent aujourd'hui en témoigner. Quand il pleut, c'est tout le pays qui est dans l'eau, alors que la ville de Brazzaville a eu quasiment plus de 3 municipalisations accélérées. Mais en tout cas, nous connaissons le pire aujourd'hui. Mais nous savons que les États-Unis sont quasiment les premiers créanciers du Fonds monétaire international. Et au mois d'août 2018, il y a eu plus d'une quinzaine de parlementaires américains qui avaient rédigé au secrétaire au trésor américain, qu'on appelle Monsieur Stephen Noaksin, on avait rédigé, ces parlementaires américains avaient rédigé au secrétaire au trésor américain, que le secrétaire au trésor américain puisse utiliser de tout son poids pour que le Fonds monétaire international ne puisse pas financer des pays qui se sont endettés, énormément endettés avec les Chinois. Ce sont les parlementaires américains qui l'ont écrit. Ils veulent que les Américains, qui sont aujourd'hui des grands créanciers du Fonds monétaire international, puissent refuser tout financement à tous ces pays-là qui se sont endettés, énormément endettés avec les Chinois. C'est ça la réalité. Est-ce que les Américains vont laisser que le Fonds monétaire international vienne aider un homme mafieux et magouilleur, un homme qui a pillé l'économie du Congo? En tout cas, nous demandons à tous les Congolais aujourd'hui de se retourner du côté de Washington, qui était aujourd'hui est devenu un véritable axe dans le sens de la libération du Congo. Il faut dire que les accords entre Sassou et la Chine, ça se fait ce que nous appelons un accord bilatéral, c'est-à-dire entre Sassou et la Chine. Il n'y a pas eu le Fonds monétaire international, il n'y a pas eu le peuple congolais, il n'y a pas eu la société civile congolaise, il n'y a pas eu la diaspora congolaise intelligente dans cet accord. Donc aujourd'hui, vous voyez que tout ce que Sassou fait, c'est simplement pour essayer d'apporter l'apaisement au sein de son clan. Voilà. Ceci nous emmène à notre dernière partie, une façon de vous dire que peuple du Congo Brazzaville, c'est une réalité ici. Vous n'allez pas continuer à faire confiance à ce régime. C'est un excusez-moi. C'est un régime qui va vous entraîner à bateau, en bateau. Pour des Congolais qui ne comprennent pas en réalité les véritables enjeux, Sassou va vous emmener en bateau, Sassou va vous mentir, Sassou est un démagogue, Sassou est un manipulateur. Donc, si vous ne comprenez pas le fond de notre message, on vous le dit, vous êtes perdu et Sassou va continuer à vous manipuler. Bon, Ayatunga nous avait informé dans le jour passé, Boao se retrouvait en France avec un passeport diplomatique. Personnellement, j'ai parlé à Ayatunga par texto.
Ayatonga, comme d'habitude, me dit, utilise tout ton réseau, tu vas découvrir la vérité. Nous avons utilisé le réseau et nous nous sommes rendus compte que c'était une réalité. Passeport diplomatique, la raison de ce passeport, potentiel mariage entre la fille Boao et le fils Zéphirin Mboulou, ministre de Sassou des Affaires, ministre de Sassou de l'Intérieur. Nous l'avons annoncé au peuple congolais. Potentiel mariage, ce que, excusez-moi, ce que Isidore Ayatonga avait dit, c'était une vérité. Le système de baie vitrée, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde, est allé regarder dans la profondeur, s'est rendu compte que Zacharie Boao, entre guillemets, opposant, membre de l'IDC FOCAD, est bien à Paris avec un passeport diplomatique, alors que un décret ministériel du régime d'oyocratie interdisait formellement aux anciens ministres, anciens diplomates, de détenir le passeport diplomatique, parce qu'il y avait eu une expoliation de ces passeports diplomatiques. Mais vous voyez que Zacharie Boao, qui venait dans tous les médias, nous sommes embastillés, il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui nous empêchent de sortir, on a récupéré nos passeports. Claudine Mounari, qui nous a dit la même récitation, que mon passeport a été récupéré, nous ne pouvons pas sortir hors du Congo. Mais là, Zacharie Boao, d'un coup, tout à coup, patatras, se retrouve à Paris pour le mariage de sa fille et le fils Mboulou avec un passeport diplomatique. Le mariage a eu lieu le samedi, donc hier, à l'Île-de-France. On va vous faire jouer ce mariage pour que vous allez écouter de vous-même de quoi nous sommes en train de parler ici. Parce que nous ne voulons pas qu'on nous traite de menteurs. Donc vous voyez que, une fois de plus, que le système du baie vitrée fonctionne très bien, chers amis. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Comme on l'avait annoncé, le mariage a bien eu lieu. Nous allons vous montrer une vidéo d'une minute et quelques secondes. Ce n'est pas une façon de faire la publicité à ce mariage, mais c'est pour que vous écoutez de vous-même. Et vous allez bien voir Mboulou présent à ce mariage, Zéphirin Boao présent à ce mariage. Vous voyez, Mboulou est là. On va vous montrer Boao. On va vous montrer Boao. Monsieur Steve, concentrez-vous à prendre. Zéphirin Mboulou est là. Vous le voyez, il est là. Oui. Boao est là. Vous voyez là, Boao est là. Boao est là. Voilà, Zéphirin Mboulou est là. Zéphirin Mboulou est là. Et là, c'est certainement Madame Mboulou qui est fondée du pouvoir au trésor public du Congo-Brazzaville. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Nous sommes dans le système du baie vitrée, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Bon, ne venez pas nous dire que c'était un mariage des amis, ça c'est ce que nous appelons les mariages d'arrangement, c'est-à-dire des mariages calculés. Des mariages calculés parce que ces gens-là se marient entre eux pour pérenniser le pouvoir dans le clan, comme nous avons l'habitude de le dire. C'est un mariage qui se fait. Pourquoi les rois se mariaient entre les rois? Parce qu'il fallait conserver la richesse au sein des élites du royaume. C'est ça la réalité. Sassou est un roi au-dessus. Il donne ses filles à tout le monde qui peut les épouser et pour garantir sa protection et le pouvoir au sein du clan. C'est ce que vous devez comprendre, hein? C'est ce que vous devez comprendre. Pour moi, pour l'intellectuel Boao, un homme qui a fait des grandes études de philosophie, hein, de grandes études de philosophie. Donc, on peut dire que Boao a étudié, je crois qu'à Lumumba, en Russie. Il y avait dans sa classe ceux qui ont étudié à Leningrad, comme ça on appelle, et Boao est aussi parti soutenir sa thèse, une grande partie de sa thèse au Sénégal. Donc, Boao est un professeur d'université, un homme qui a de la valeur, de la considération. Mais ici, là, moi, je m'attaque à
au côté intellectuel de M. Boao, au côté, si vous voulez, de ce grand professeur de philosophie. Mais revenons à la définition de la philosophie. En latin, philosophos. En grec, philosophos. Vous voyez ? Mais ce qui signifie quoi ? Ami de la sagesse. Ami de la sagesse. Et Boao a étudié là la philosophie. Donc Boao est un philosophe. Donc Boao est un ami de la sagesse. Le philosophe, c'est aussi un individu qui s'adonne à l'étude rationnelle de la nature et de la morale. Si nous revenons à l'ancienne définition de la philosophie. À l'ancienne définition de la philosophie. Donc c'est quelqu'un qui s'adonne à l'étude de la morale. Hein, quelqu'un qui défend les valeurs de la morale. Bon, Voltaire le disait, hein, le philosophe est un amateur de la sagesse et de la vérité. Est un amateur de la sagesse et de la vérité. Ça, c'est le grand philosophe Voltaire qui le disait. Alors, si nous essayons de regarder le contexte de Voltaire, nous pouvons comprendre que M. Boao est un grand philosophe, professeur d'université. Il fait les publications partout, il fait les conférences partout. Donc, Boao ne peut pas venir mentir au peuple congolais. Boao ne peut pas venir mentir au peuple congolais, ne peut pas venir mentir partout par rapport à son éthique morale. Il ne peut pas venir mentir au peuple. Donc, faisons semblant de jouer le jeu de la politique, en nous disant qu'il est opposant. Mais en réalité, il joue le jeu de pouvoir. En sa qualité de sage, hein, en sa qualité de sage, ami de la sagesse, en tant que professeur de philosophie, ami de la sagesse, Boao aurait dû dire à sa fille, « Ma fille, certes que nous comprenons que tu es amoureux de ce monsieur, mais le côté sagesse me demande de te dire de ne pas aller dans ce chemin. Mais si tu voulais aller dans ce chemin, moi, étant ton père, philosophe, garant de la sagesse, garant des valeurs morales, des valeurs d'éthique, du fait que je suis opposant à ce régime brutal qui tue, qui détruit le peuple, moi, je ne serai pas ton mariage. Moi, je me retire. » C'est ça aussi la valeur d'un père, qui doit connaître le mal et dire à ses enfants, certes, c'est un mauvais chemin, mais comme tu ne veux pas m'écouter, je ne pourrai plus jamais te soutenir. C'est ce qui est clair. C'est ce qui est clair. Boao ne l'a pas fait parce que Boao a toujours joué le jeu de ce régime, le jeu de ce système. Archimède disait, le philosophe, c'est aussi la personne qui s'appuie sur la raison et recuse la révélation, la foi. Ça, c'est ce qu'Archimède disait. Donc, si Boao est le philosophe qui s'appuie sur la raison, en ce moment-là, le côté raisonnement pouvait dire à Boao, « Merde, mais je suis dans le mauvais chemin. Moi, dans ce régime en Bastille, chez moi, ce régime me prive soi-disant des libertés. Je ne peux pas, dans mon raisonnement de philosophe, d'opposant, dont le peuple m'a fait confiance, je ne peux pas aller m'accrocher. Je dis non à ce mariage. Et si ma fille veut aller, qu'elle aille seule à ce mariage-là. » Boao ne l'a pas fait. Le voilà Boao qui reçoit son passeport diplomatique, se déplace à Paris. Boao opposant qui criait autrefois sur les médias de la Radio France Internationale que nous avons été embastillés. On ne pouvait pas aller voir le Fonds Monétaire International quand ce Fonds Monétaire International est venu à Brazzaville. La société civile était partie, les opposants n'y étaient pas. Soit disant que Boao a été embastillé, mais chez Mounari, incroyable mais vrai, chers amis. Il faut être un aveuglé pour comprendre à ce genre de raisonnement. Il faut être un Congolais malade, un Congolais qui a perdu ses facultés de réflexion et de raisonnement pour croire à ces individus. Chers amis, on le dit encore, le philosophe, on peut encore le dire que c'est une personne qui a le culte, qui a le culte de la raison appliquée aux sciences naturelles, aux sciences humaines, par l'honnêteté morale mise au service de l'humanité, cherchant à répondre le libre examen de la lumière. Ça encore, c'est un philosophe français qui le disait, qu'on appelle Musset. Musset qui le disait. Alors, Boao n'a-t-il pas cherché la lumière pour nous dire la vérité? Mais Boao est dans le peuple congolais, Boao est dans le mensonge. Ces gens-là sont en train. Chers amis, nous faisons face au caractère reptilien.
Le caractère reptilien, c'est quoi? Le caractère reptilien n'a pas de raisonnement, n'a pas la raison. Donc, dans ce contexte, Boao n'est pas un professeur de philosophie. Boao n'est pas un philosophe. Boao est un traître qui travaille, qui pille le peuple congolais. Ces gens-là ont tué le peuple. Ils ont apporté l'obscurité à la place de la lumière. Des familles se sont assombrées dans le deuil parce que vous avez eu des manipulateurs comme des Boao qui vous faisaient miroiter qu'ils étaient des opposants. Et d'ailleurs, c'est le même caractère que Claudine Mounari, directrice de cabinet du président Pascal Lissouba, qui a été chassée par la guerre, donc par un coup d'état militaire. Mounari, qui fait semblant d'aller en exil, revient devenir ministre du commerce du régime de Sassou Nguesso. Et ces mêmes gens-là continuent à vous mener en bateau, dire à ce peuple qu'ils sont opposants. Chers amis, amenons le côté philosophique du raisonnement et comprenons un peu ce contexte. Ces gens-là, c'est des criminels. Ils tuent, ils manipulent, ils mangent avec Sassou. Et qui sont les victimes? C'est le peuple aveuglé qui continue à croire à ces caractères ethniques, qui commence à croire aux esprits. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes congolais, on vous le dit, le caractère reptilien, les reptiliens ne se marient que entre les reptiliens. Les reptiliens ne se multiplient que entre les reptiliens. Le régime de Sassou est un régime reptilien parce que eux, ils se marient que entre eux. Parce qu'il faut conserver le caractère reptilien dans ce groupe, dans ce clan. C'est cela. Boao fait partie des reptiliens. Mounari fait partie des reptiliens. Mzo Mathias fait partie des reptiliens. Itali fait partie des reptiliens. Mukweke fait partie des reptiliens. Kifuissa fait partie des reptiliens. Satima Biala fait partie des reptiliens. Kolela fait partie des reptiliens. Ntumi fait partie des reptiliens. Vous avez tout ce monde-là, chers amis que vous connaissez, font partie de ces reptiliens. Si vous ne menez pas de véritables réformes pour chasser ces reptiliens qui apportent le caractère, on peut dire, une crise générationnelle au Congo, une génération qui doit se protéger, qui doit piller la jeunesse, manipuler la jeunesse, sucer la jeunesse, alors chers amis, vous serez toujours perdus si vous ne comprenez pas ça. Je veux encore dire une chose. La philosophie, dans son ensemble, c'est toute connaissance de la vérité. Donc vous voyez que Boao n'est pas à la recherche de la vérité. C'est ça la réalité. Boao est dans la recherche du mensonge parce qu'il a manipulé le peuple congolais. Il a menti le peuple congolais. Il n'est pas à la recherche de la connaissance de la raison. Hein? Il n'est pas à la recherche de la raison. On peut simplement dire, c'est-à-dire l'application de la raison. L'application de la raison aux différents objets sur lesquels elle peut s'exercer. Ça, c'est un philosophe français encore qui le disait, D'Alembert, qui le disait. D'Alembert. Donc là, il définissait la philosophie simplement une application de la raison aux différents objets dans lesquels elle peut s'exercer. Mais les différentes raisons. La politique, c'est un objet qu'il faut manipuler avec raison. Pas une politique qui consiste à piller, à tuer. Une politique qui consiste à mentir. Boao fut ministre de Sassou. Ministre de les Sassou. Pendant qu'il y a eu les explosions du 4 mars 2012. Où des milliers de Congolais ont été massacrés. Mais la recherche de la vérité n'a jamais résonné au Congo. Boao est en liberté. N'a jamais été inquiété. Il est là tranquille en liberté. Pendant ce temps, le peuple congolais, ce même peuple-là qui vit les quartiers Mpila, Wenze, Talangay, qui ont été des victimes, ce même peuple qui supporte le régime reptilien de Brazzaville, continue de s'asseoir pour acclamer les bourreaux du peuple. Voltaire disait ceci, la superstition met le monde en flamme. La superstition met le monde en flamme. La philosophie les éteint, c'est-à-dire que la philosophie éteint les flammes. La superstition met le monde en flamme. La philosophie les éteint. Ça, c'est Voltaire qui le disait. Mais vous voyez que Boao est dans la superstition. Comme d'ailleurs le régime criminel et dictatorial de Brazzaville, ils sont tous dans la superstition, c'est-à-dire des pratiques fétichistes, croire à des fractions religieuses bidons, croire à des sacrifices humains. Éventuellement, parmi le sacrifice, il faut faire souffrir le peuple, le faire piller le peuple dans son ensemble, et simplement envoyer le peuple à la manipulation, à la mort. C'est comme ça ces gens-là travaillent. Ils sont dans la superstition.
Donc Boaou n'est pas un philosophe, Boaou n'est pas un professeur de philosophie. De sur quoi nous avons fait notre survey, nous avons contacté quelques étudiants de l'université Marien Ngouabi. On nous dit que ce monsieur est un tribaliste, Boaou. C'est ça la réalité, parce qu'il fait partie de la superstition. Il fait échouer les étudiants qui ont manqué une UV, donc une unité de valeur, une matière, au lieu de donner la chance à ces étudiants. Et surtout quand ces étudiants-là n'étaient pas de son ethnie ou de son clan, ils te faisaient échouer directement. Boaou est un professeur qui encadre des doctorants. Boaou est un membre du jury de doctorat qui ne pratique pas la raison. La doctrine dans laquelle il a évolué, qui s'est porté garant de protéger, il ne le fait pas. Il est manipulateur au même titre que Claudine Monari, Ndjo Mathias, les Guy Parfait-Kolela, les Satima Biela, les Marie-Paul Mpwele. Comprenez ça, peuple congolais, jeune congolais. Ces gens-là sont dans la superstition dont ils croient au rêve qui est de se maintenir, de prendre la jeunesse en étau, en déboulonnant, en assassinant cette jeunesse. Pour eux, dans leur façon de penser de la superstition, ils doivent massacrer le peuple congolais, ils doivent vous piétiner par tous les moyens. C'est comme ça que ce type Boaou fonctionne. En vérité, un crocodile qui s'est dissimulé parmi des petits rats qui est le peuple, en train de vous mentir, il joue le rôle de la trahison au même titre que Claudine Monari. Peuple congolais, ouvrez grandement les yeux dans la grande carte, vous allez comprendre ces individus. Vous voyez que, chers amis, nous sommes là en train de vous parler d'une réelle vérité, d'une vérité que nombreux parmi nous ne seront jamais capables de parler. La philosophie, c'est aussi une étude critique. Quand on apporte des critiques, c'est pour apporter le raisonnement. Quand on parle du raisonnement, on parle de la raison. Donc, quand il y a raison, il n'y a pas l'instinct. Mais vous voyez, ces gens-là sont dans la superstition. Ils ne vivent que de l'instinct. Donc, c'est des reptiliens. Ils ne vivent pas de raisonnement humain. Parce que quand on a le raisonnement, on se dit, tiens, là, ça ne marche pas. Tiens, là, il faut faire du bien. Mais quand tu es dans le caractère reptilien, c'est le côté animal qui est toujours, c'est la force qui prime. Voilà pourquoi cet homme s'amasse des comptes des armes. Ces gens se mettent dans des techniques d'empoisonnement pour assassiner du monde, comme on peut pouvoir le faire. Et c'est ça la réalité. Aujourd'hui, Kalakala n'est plus en vie. Aujourd'hui, Mbiki de Nanitelamio n'est plus en vie. Aujourd'hui, Victor Kiwango n'est plus en vie. Parce que ces gens-là manipulent. Ils veulent chasser les autres. Ils veulent se conserver le Congo dans le caractère reptilien. Et piétiner, jouer le rôle du plus gang, du plus fort. Parce qu'ils sont, il n'y a pas le raisonnement, il y a l'instinct animal qui est là, qui envenime ces gens-là, qui apportent la haine dans ces individus, parce que nous ne faisons pas partie du même groupe, ils sont du caractère reptilien et nous nous sommes du côté des humains. C'est ça qui est la réalité, chers amis. Donc vous voyez que ce mariage, c'est un mariage calculé. Boaou, dans le côté raisonnement, pouvait aussi dire, mais ces gens-là tuent. Zéphirin Mboulou tue, fait partie de ceux qui ont tué le peuple congolais. Zéphirin Mboulou fait partie de ceux qui ont volé le peuple congolais. Pourquoi je veux donc envoyer ma fille, ma progéniture, une partie de moi au sein de ces clans? Non, mais ce que vous devez comprendre, ce mariage, c'est un lien, on peut dire une bande génétique qui s'est créée là. Un lien du sang, c'est scellé par le bien et le mal. C'est ça le lien du mariage. Donc Boaou est scellé. Si Boaou pensait être un homme raisonnable, un philosophe, il ne devait pas accepter de s'associer, que les ADN se composent, s'associent ensemble, créer un lien, ou on peut dire une liaison chimique, naturelle, entre les assassins du peuple, ceux-là qui ont du sang du Congolais sur leurs mains, que Boaou puisse envoyer sa fille suer avec eux. C'est que Boaou fait partie de l'alliance du bien et du mal, et qui est éventuellement le bien, c'est le bien dans le clan reptilien, mais le mal dans le côté opposé qui est le peuple congolais. Vous voyez que ce sont des assassins. Zacharie Boaou est un criminel au même titre que Sassou Nguesso,
au même titre que Mboulou, au même titre que Ndengue, au même titre que tous ces gens que vous connaissez dans ce système. Donc, c'est des gens qui seront traités de la même façon, par les mêmes lois, parce qu'on manipule. C'est ce que ces gens-là font. Par des mariages calculés. Vous voyez que Boiro enseigne des étudiants, il enseigne des Congolais. Alors, vous voyez qu'il n'enseigne pas en réalité la vérité. Parce qu'au fond de lui, il n'est pas un philosophe. Au fond de lui, il n'est pas un professeur de philosophie. Au fond de lui, est un reptilien, un animal. Au fond de lui, c'est un prédateur, un homme prêt à avaler le peuple congolais. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'individu Boao, mais nous sommes en train de le prendre dans leurs propres mots par rapport à cette doctrine qu'il est allé rester à l'intérieur, ce que nous appelons éventuellement la philosophie. Voilà, donc, on le dit. Vous voyez que Boao, c'est aussi égal au professeur Théophile Obenga. Ce même Théophile Obenga là qui nous dit dans quel pays vous avez vu le Fonds monétaire international donner de l'argent et ce pays-là devient un pays riche, un pays avec une économie forte. Ça sont les propos de Théophile Obenga. Mais ce même Théophile Obenga est le conseiller de Sassou, vous voyez. Mais ce que nous voulons dire au peuple d'Afrique, ou à tous ceux qui soutiennent la lutte, hein, la lutte, notre lutte, de ne pas accepter les ouvrages ni de Boao, ni de Théophile Obenga. Parce que ces gens-là ne sont pas réels dans leur fond. C'est des vampires, c'est des reptiliens. Il est, en même temps, il vient dire, le Fonds monétaire international ne peut pas emmener la richesse dans le Congo, mais il est en même temps le conseiller de Sassou. Donc il est à tout moment avec le régime. Il faut maintenir le pouvoir dans le clan. Et ce côté-là, nous allons combattre ce côté-là. Vous voyez que ce sont des professeurs bidons, dépassés, des gens qui, en réalité, qui ne sont pas dans les doctrines qu'ils ont étudiées. Ils manipulent par leurs livres, par leurs publications, ils se tapent de l'argent. Donc il faut boycotter déjà les publications de Boao, que les étudiants doctorants commencent à comprendre que ce Boao-là ne représente pas le caractère d'un philosophe, de la philosophie dont il incarne la doctrine. Il faut simplement s'écarter, refuser que ce type soit même membre de son jury ou même son superviseur pour son doctorat. Donc vous voyez que c'est cela qui est la vérité. Et au même titre que le professeur Théophile Obenga. Donc vous voyez que c'est des gens qui ont acquis des professorats, mais ce sont des monstres dans leur caractère intérieur, ce sont des reptiliens prêts à avaler le peuple. Ils ont toujours supporté ce régime. Donc vous pouvez comprendre que si Boao, ministre de Sassou de l'Intérieur, lors des explosions du 4 mars de Mpila, et que ce même Boao nous fait semblant de venir à l'opposition, et il est là dans un mariage, alors le peuple congolais comprenne le reste. Il faut boycotter les publications du professeur Théophile Obenga de Boao. Ces gens-là supportent la dictature, supportent le crime, supportent le malheur du peuple. Et c'est cela, chers amis. Nous attaquons leur côté intellectuel parce que leur côté intellectuel devait refléter, en réalité, ce qu'ils connaissent au fond d'eux, c'est-à-dire des hommes purs, des hommes de droit, des hommes philosophes, des hommes des valeurs pures et saines, des valeurs pures et saines. Donc vous voyez que Boao n'est pas un opposant. Un opposant est réductible, comme on veut vouloir nous le prétendre ici. Parce que ces gens-là sont acquis à l'argent. Mais les liaisons que Boao venait de lier, c'est quoi ces raisons? C'est quoi le bénéfice? C'est les liaisons d'argent. C'est l'argent sale du peuple congolais, l'argent du sang que ces gens-là profitent, bénéficient. Parce qu'ils rentrent, ils tissent des bandes avec le régime Sassou. Donc vous voyez qu'on rentre dans l'argent du sang, l'argent du sable, l'argent sale, l'argent du sang. C'est ça la réalité. C'est ça le profit qui leur emmène à créer ce genre de relations. C'est ça la réalité. Donc Boao fait partie des pilleurs du peuple qui détient l'argent sale, l'argent du sang. Faites-moi parvenir cette vidéo à M. Boao. Il doit bien m'écouter, comme ça on comprend. Vous savez, chers amis, l'idéologie qui consistait à mettre en place, si vous voyez, le conseil... comment vous appelez le Conseil national d'organisation des élections, la CONEL, vous voyez, l'idée de demander à l'opposition de mettre en place ce conseil est partie de nous, ici dans la diaspora. Quand nous avons remarqué que Sassou Nguesso n'a pas voulu associer les gens de l'opposition, nous avons dit, mais pourquoi pas l'opposition puisse mettre en place sa propre Conseil national électoral indépendante pour compiler et proclamer les résultats de l'élection présidentielle. Et partie de nous.
La vidéo a été publiée partout. Et Boao, le lendemain, est venu, a lu certainement, il a lu la vidéo, il a dit, mais tiens, ça c'est une brillante idée. Mais ils sont venus avec cette idée. Mais ils n'ont jamais publié les résultats de tous de leur compilation. Pourquoi ils n'ont jamais publié? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi ils n'ont jamais publié? Parce que tous, ils avaient pris de l'argent. L'argent sale, l'argent du sang, pour embrouiller le peuple congolais. Donc, on ne peut pas nous parler ici qui sont des opposants irréductibles. Mais, chers amis, nous connaissons leurs manipulations, les empoisonnements, les tueries, tout ce qu'ils font, le pillage, le vol. Mais vous devez savoir que ça, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper parce que nous, nous sommes en train de réfléchir, de mettre en place aujourd'hui avec les bases que nous avons créées, les relations que nous avons créées d'information, de mettre en place nos propres services secrets pour ce régime. Peuple du Congo, démocrate africain, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, il va falloir que la diaspora s'organise avec ceux-là qui sont dans le vrai. Nous allons mettre en place les stratégies, comment va fonctionner cette organisation, les statuts sont déjà mis en place, nous allons mettre les services secrets de la diaspora pour identifier tous ces Congolais-là qui travaillent avec ce régime, ces Congolais-là qui créent des fiches contre leurs compatriotes dans la diaspora, des fiches que ces gens-là se permettent de déposer à la DGST, qui sont les services secrets de Sassou. Il va falloir que nous mettions nos propres Congolais pour identifier ces gens-là et potentiellement leur menacer aussi. Parce que si le combat au niveau de la diaspora est ralenti, parce que vous avez ces Congolais traîtres-là qui font des fausses fiches, qui menacent les vies de ses compatriotes parce qu'ils perçoivent des miettes qui reviennent de la part de ce régime. Donc il faut mettre, nous pouvons mettre en place comme les Juifs ont fonctionné. Les Juifs ont mis en place leur propre service secret pour identifier les traîtres parmi eux. Et éventuellement, ils faisaient subir à ces traîtres-là le sort qui pouvait être logique et normal. Il va falloir que nous mettions ces stratégies pour identifier tous ces Congolais-là qui sont traîtres, éventuellement les écarter définitivement, les citer, les dénoncer, comme d'ailleurs ce que nous avons l'habitude de faire. Il va falloir que ça se fasse. Mais c'est tout un chacun de nous qui veut la libération du Congo-Brazzaville, qui doit s'y impliquer. Toutes les fois que vous avez une information, une image, une vidéo, n'hésitez pas de nous les faire parvenir et nous allons mettre nos gens travailler là-dessus. Comme d'ailleurs, une grande partie des policiers, une grande partie des militaires au Congo-Brazzaville, une grande partie des fonctionnaires au Congo-Brazzaville, qu'il s'agit des fonctionnaires Mbossi, parce que la plupart du temps, les grands postes sont dirigés par des Mbossi. Ce sont les mêmes Mbossi qui nous envoient les informations, parce qu'ils en ont marre. Parce que le peuple Mbossi au Congo se rend maintenant compte que ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Parce que nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes en train de leur dire que, attention, vous êtes en train de mettre l'ethnie Mbossi en péril au Congo-Brazzaville parce que vous protégez un système, un clan. Et il y a des Mbossi qui comprennent, qui commencent à nous envoyer des informations, qui commencent à travailler avec nous. Alors, peuple du Congo, travaillons ensemble pour mettre en place ces services secrets qui vont identifier les Congolais qui sont dans le flou, dans le vol, dans les stratégies de destruction, éventuellement les exposer au peuple et comme ça, ils vont recevoir le châtiment du peuple congolais. Je vais terminer par... je crois que nombreux parmi vous avaient vu cette vidéo des fuites des capitaux. Je vais rapidement essayer de montrer quelques images, comme ça je vais mettre fin à ce direct. Ça fait quasiment bientôt deux heures déjà que nous sommes là-dessus. Je vais rapidement vous montrer ces images, parce qu'ici il faut toujours parler avec preuve à l'appui, parce que nous sommes dans le système du baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute, tout le monde parle à tout le monde, pour que nous puissions en réalité regarder ce qui ne va pas au Congo-Brazzaville. Bon, nous avons aussi publié la nouvelle brigade, ce que nous appelons la brigade d'intervention rapide. Ça, c'était une photo qui avait été prise à la base militaire de Mayamaya à Brazzaville. Et cette photo aussi, nous avons mis ça sur les médias sociaux. Voilà la nouvelle brigade d'intervention rapide de Sassou qui se prépare pour mater le peuple congolais pendant des élections qu'il est en train de préparer, des élections dont nous connaissons déjà les résultats, donc il va frauder. Et donc ça, c'est parmi ces gens-là, comme vous le voyez, c'est des Congolais avec le drapeau congolais sur les épaules. Vous le voyez ici, vert, jaune, rouge est là. Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles brigades que Sassou est en train d'envoyer au Cameroun, de Russie, pour continuer leur formation. Donc je vais simplement essayer de regarder, je vais vous montrer la fuite de capitaux pour mettre fin à ce direct, un direct long, mais
C'est cela, quand nous avons un peu du temps, on essaie de faire le paquet. Les Congolais qui peuvent, vous pouvez donc couper la vidéo pour simplement essayer de partager. Voilà. La fuite de capitaux. Nous avons tous vu ce convoyeur de fonds, de ressortissants congolais, qui avait donc ce que nous avons appelé ici un passeport du Congo-Brazzaville, le passeport numéro OA, comme vous le voyez ici, passeport numéro OA, OA 023-55, OA 023-55. Voilà, l'homme a été retrouvé à l'aéroport de Ndjili, en République démocratique du Congo, avec, comme nous avons dit, 2 millions de dollars, 2 millions et 15 560 dollars américains. Ce qui représentait en CFA une affaire de 1 milliard 175 976 959. 959. Et tout ça, c'était en capital, en cash. Comme vous le voyez ici, ils étaient en train de compter ces sommes d'argent. Je ne sais pas si on aura la chance de faire ces vidéos-là. Parce que c'est cela, chers amis, il va falloir que nous montrions ces choses. Je crois que ça prend un peu du temps pour faire jouer. Voilà, donc vous le voyez, des vidéos qui partent. Et on va essayer de voir si on va essayer de le passer à l'autre. Voilà, donc ça prend un peu du temps pour se télécharger. Bon, voilà. Voilà le Congolais, l'homme. Voilà, donc on va essayer de... Voilà, donc on va essayer de jouer ça. Vous allez encore voir le visage de l'homme. Voilà, l'homme qui avait été arrêté. Il est là. Au nom de Oumar. Bon, on va essayer de voir rapidement. Nous vous faisons jouer ces vidéos-là pour que vous voyez de vous-même ce qui avait été reçu ici-là. Voilà, donc, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, c'est ce que nous sommes en train de vous dire, il n'y a pas de choix de pouvoir chasser le régime Sassou du pouvoir. Mais ce que nous voyons dans cette fuite de capitaux, je vais simplement essayer d'arrêter ça. Voilà. Bon, c'est qu'il faut dire qu'il y a deux choses que nous avons vues dans ça. Il y a ce que nous appelons la fuite des capitaux, c'est-à-dire des amis ouest-africains qui ont bénéficié de la citoyenneté du Congo-Brazzaville au niveau du Congo, se sont regroupés en un groupement d'opérateurs économiques. Et ils se sont amassés de l'argent. Et donc, on utilise un Congolais avec un passeport congolais pour donc faire exfiltrer cet argent pour aller au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, un groupe de gens qui se regroupent et puis qui cherchent simplement à faire fuir les capitaux du pays. C'est un manque à gagner parce qu'on fait fuir le cash de cette quantité au niveau du pays. Possible, vous voyez. Mais si cela se passe, ça veut seulement dire qu'il y a des complices au sein de ce régime de Sassou. Parce que le premier poste des frontières, c'est le bitch de Brazzaville. Il va falloir que cet individu, avec ses grosses valises, hein, comme vous le voyez, ses grosses valises bourrées d'argent qui sont là, cet individu devait d'abord forcément affronter les agents de douane du Congo-Brazzaville. Hein? Les agents de douane du Congo-Brazzaville. C'est que nous allons, comme vous voyez, avec ces grosses valises qu'on a montées ici, ces gens-là devaient d'abord forcément... devait d'abord passer par les agents de douane du Congo-Brazzaville. Donc, potentielle complicité entre ces individus et les agents de douane. Possible. Ou encore, on utilise les canaux rapides de tous ces gens du pouvoir et puis traverser de l'autre côté de la République démocratique du Congo. Bien éventuellement, il devait y avoir aussi des complices de l'autre côté. Mais ce qui a été bien, c'est qu'il faut féliciter le professionnalisme. Parfois, on a tendance à dire que nos amis de la République démocratique du Congo sont des malhonnêtes. Mais en tout cas, chers amis, moi, je n'achète pas cette façon de penser parce que c'est le mensonge, c'est pas vrai. Là, les amis de la République démocratique du Congo venaient de nous donner une leçon en ce qui concerne la sécurité aux frontières. On a saisi, ils ont publié, ils ont montré. Ils auraient pu demander à ce monsieur de prendre leur part, comme d'ailleurs, comme c'est que ça se passe dans plusieurs pays. Vous voyez, et puis nous, on n'allait pas se retrouver avec ces images. Mais ils ont dit pas question, l'éthique, la moralité,
et éventuellement l'engouement et le professionnalisme de leur travail. On a saisi, on a publié, on a tout montré. Donc, première hypothèse, possibilité de fuite de capitaux. Deuxième possibilité, c'est encore les hommes politiques qui volent l'argent du Congo et qui n'ont pas donc des poteaux à des postes de frontières comme l'aéroport Mayamaya, l'aéroport Agostinho Neto. Et donc, on utilise les postes de frontières secondaires que nous appelons ici le port de Brazzaville, et simplement pour essayer d'exfiltrer avec l'argent du Congo et d'aller certainement, puisque nous connaissons la grande partie des investissements de l'argent du Congo, c'est maintenant en Afrique de l'Ouest. C'est au Ghana, au Bénin, c'est en Côte d'Ivoire, c'est au Burkina Faso, c'est au Sénégal. Et ces gens de ce régime Sassou fouillent avec des capitaux le cash de l'argent du Congo. Nous l'avons certainement vu, certains ont été arrêtés même à Roissy, à l'aéroport de Roissy, avec des grosses quantités d'argent. Les Ondongo, on a retrouvé beaucoup de millions d'euros dans leurs bagages, dans leurs appartements en Espagne. Et ça, ça démontre que ces gens-là, soit pour les plus puissants, ils utilisent des jets privés qui atterrissent dans des aéroports, bien sûr, avec la complicité, et l'argent passe facilement. Les plus faibles, que nous appelons les menus frétins, utilisent éventuellement ces canons que nous connaissons, la République démocratique du Congo, les aéroports, et parfois même par véhicule en entrant par le Cameroun, par le Gabon, ainsi de suite. Et c'est de cette façon que ces gens-là arrivent à s'échapper avec les 14 000 milliards des générations futures qu'ils ont volés à la Banque économique des États de l'Afrique centrale. Ils sont aujourd'hui devenus des hommes d'affaires en Afrique de l'Ouest. Vous voyez ? Mais encore là, il faut dire qu'il y a une grande complicité, comme vous venez de le dire. Ce que nous avons voulu que les autorités de la République démocratique du Congo puissent mener des investigations approfondies, essayer de voir combien de fois l'individu qu'ils avaient saisi, ici, l'individu qu'ils avaient saisi au nom de, je vais simplement essayer de le retrouver, au nom de Diawara Oumar, en regardant simplement dans son passeport, combien de voyages déjà cet individu a effectué et quelles sont ses destinations. Vous voyez, chers amis, ça devait déjà nous mettre sur une piste, éventuellement essayer de regarder les gens autour de lui. Mais il faut savoir que si c'est le régime de Sassou qui emploie cet individu, il va falloir que, moi, nous nous avons toujours dit, ce nom-là, c'est un nom de code. C'est un nom de code. C'est-à-dire, ce n'est pas son vrai nom. Ce n'est qu'un nom qu'on a attribué à cet individu pour faire cette mission de convoyeur de fonds volés du peuple congolais. Hein, c'est ça. Donc, si aujourd'hui il a voyagé sous le nom de Diawara Oumar, hier il a voyagé certainement avec le nom de Ngoma Tsetse ou de Kibouende, ainsi de suite. C'est comme ça que ces gens-là arrivent à faire exfiltrer l'argent du Congo. Donc vous voyez que, chers amis, on le dit encore, ça c'est des vérités qui parlent, le cash qui part du Congo, qui sort pendant ce temps, les hôpitaux manquent du tout. Voilà un peu, chers amis, nous mettions donc terme à ce direct, c'est un direct non. Nous allons rappeler rapidement les grandes lignes. Nous avons souhaité donc les condoléances aux familles Mbiku de Nantelamio et aussi M. Augustin Kalakala. Nous avons parlé des potentiels empoisonnements de Paulin Makaya, éventuellement potentiel assassinat du général Jean-Marie Moshiel Mokoko, Kombi Salissa et tous les autres. Nous avons parlé de la restructuration de la dette de Sassou avec la Chine, mais en réalité, comme on a dit, le Fonds monétaire international, dans ses exigences, avait pensé que il ne s'agit pas de parler de restructuration de la dette entre la dette de Sassou et la Chine, mais il faut voir la restructuration globale en tenant en considération les autres créanciers, par exemple les traders Glencore, Trafigura et tous les autres, et aussi regarder la restructuration de la dette intérieure, que d'ailleurs qu'on n'a jamais pu évaluer. Et puis, nous avons regardé les réformes dont le Fonds monétaire international avait demandé, et éventuellement les audits approfondis au niveau de la Société nationale de pétrole du Congo, et la réduction du train de vie de l'État, la mise en place d'une commission anti-fraude, anti-corruption, la véritable commission, ce n'est pas la farce que Sassou Nguesso est venu faire, et puis éventuellement la réduction du train de vie de l'État, et puis la décryptation, politique que nous appelons ici, éventuellement essayer de regarder la libération des prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion, la libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a des contraintes avec les péages que ça soit mis au sud du Congo, une façon d'emmener les petits commerçants du sud dans la faillite totale. Éventuellement, le péage du Mengo était un péage stratégique pour
éventuellement sucer la population au grand maximum, vous voyez. Et puis, nous avons parlé des Américains, déjà des parlementaires américains qui avaient déjà rédigé au Fonds monétaire international, au secrétariat du Trésor américain, pour demander au secrétariat du Trésor américain de jouer tout son poids pour que le Fonds monétaire international ne puisse pas financer l'argent, puisque les Américains détiennent la plus grande partie des créances du Fonds monétaire international, pour qu'on ne puisse pas financer des pays qui se sont lourdement endettés avec la dette chinoise. Et puis, nous avons essayé de parler du mariage de Boao, expliquant le caractère reptilien du grand philosophe Boao qu'on nous présente. Éventuellement, il fait partie de ce même système, au même titre que les Munari. Ce sont tous des criminels, ils tuent le peuple. Il va falloir que le peuple se lève pour déboulonner, pour mettre hors d'état de nuire ces reptiliens de la mauvaise espèce. Et nous avons donc fini par présenter la fuite de capitaux, et éventuellement des politiciens qui sont en train de utiliser des mécanismes, pas seulement des politiciens, parce que toute une mafia, y compris militaire, pour éventuellement extirper l'argent du Congo vers l'Afrique de l'Ouest. Voilà un peu, c'est le en gros, ce qui a été le direct d'aujourd'hui. Peuple du Congo, jeunes du Congo, on vous le répète, écoutez-nous, c'est ça la réalité. C'est une crise générationnelle, une classe politique qui est rentrée dans l'étape reptilien. Les reptiliens ne s'accouplent qu'entre eux, les reptiliens ne travaillent qu'entre eux, les reptiliens ne se protègent qu'entre eux. Les reptiliens doivent tout faire pour briser tous ceux qui ne sont pas des reptiliens. Donc vous, la jeunesse congolaise, cette jeunesse mouton qui n'a pas encore compris, que tu sois du PCT, de l'opposition, on s'en fout de tout ça, mais tu fais partie de cette jeunesse qui devait aujourd'hui aller réclamer, devenir des élites de demain, parce qu'il faut le dire que tous ces gens, ils ont échoué sur toute la ligne, en 40 ans, hein, ils n'ont rien rapporté. Là encore, ils visent sur l'exploitation des mines de Zanaga. Et si vous laissez Sassou au pouvoir, vous voyez que vous allez avoir plus de 40 ans de la gestion de la manne pétrolière, on n'a rien apporté, et vous allez encore voir le fer de Zanaga qu'on estime à minimum 30 ans d'exploitation. Donc vous voyez que vous allez laisser l'Engesso faire reculer le Congo plus de 70 ans en arrière. Alors la balle est de votre côté, ressaisissez-vous, soulèvement populaire, ou les militaires congolais vont comprendre, même ces policiers, pour retourner ses armes contre Sassou Nguesso. On l'a toujours dit, il n'y a pas raison de pouvoir laisser ces gens-là s'échapper facilement. Le dialogue, ce n'est pas une option avec des gens qui sont lourdement armés. Il faut les frapper militairement, et nous demandons aux États-Unis, qui sont aujourd'hui les garants, de nous aider. Nous demandons aux Français qui ont encore compris qu'il faut véritablement faire les affaires aux gens qui sont sérieux pour permettre à l'Afrique aussi d'avancer, parce qu'il faut le dire que aujourd'hui, si vous laissez l'Afrique sombrer, mais vous allez être inondé par des migrants, c'est ça qui est la réalité. Et nous savons que les Américains ne veulent pas des migrants sur leur territoire. Travaillons pour mettre hors d'état de nuire ces despotes africains, ces reptiliens de la mauvaise espèce, qui sont restés au pouvoir pendant plus de 50 ans, mais qui n'ont jamais pu avancer l'Afrique, même d'un iota. Donc travailler avec des jeunes qui ont des ambitions politiques, des ambitions économiques, des gens aussi qui peuvent aussi essayer de préserver éventuellement vos intérêts. Parce qu'il faut vous dire qu'il suffit simplement que chacun des côtés essaie de regarder quels sont les avantages qu'il peut tirer de ce profit. Et nous allons continuer à avancer ensemble. Et nous le disons aussi aujourd'hui aux Français qui continuent de soutenir Sassou. Nous pouvons toutefois aussi garantir vos intérêts. Mais il suffit simplement que vous travaillez avec le peuple et vous essayez de retracer éventuellement les intérêts de tout un chacun. Aujourd'hui, nous vous demandons de nous livrer Sassou, de nous livrer le Parti Congolais du Travail, parce qu'il ne s'agit pas là de sauver un individu, il s'agit là de sauver une nation, de sauver tout un continent, de sauver l'Afrique d'une manière générale. Et vous aurez beaucoup plus d'avantages à conserver vos intérêts si vous travaillez avec une nouvelle jeunesse qui a une vision. Nous ne voulons pas aujourd'hui des politiques d'exclusion de la jeunesse, nous voulons aujourd'hui que vous considérez des jeunes comme une vision, une nouvelle forme de pouvoir rebâtir les relations bilatérales ou encore multilatérales, éventuellement avec les pays africains. Et nous sommes ces partenaires-là qui sont capables que nous puissions travailler ensemble, mais tout ce que nous vous demandons, de nous livrer les dictateurs, les despotes, pour que nous-mêmes nous puissions les juger, pour que ces gens-là aussi puissent comprendre que le mal qu'ils ont fait,
Il ne peut pas s'échapper de cette façon. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, le principe de la tolérance zéro doit forcément s'appliquer. Et nous en sommes convaincus là-dessus que forcément avec tous ces crimes commis par le régime Sassou, Sassou doit payer face à une justice qui est équitable, une justice qui prime sur le droit et non sur la force et non sur les muscles. Pour le moment, nous faisons face à un homme qui se croit le plus fort, le plus intelligent, un homme qui dépense plus de 7% du PIB du Congolais, ce qui fait que le Congo soit toujours un pays endetté. Alors nous nous disons non à cette forme de politique, à cette forme de politique qui tue, à cette forme de politique qui détruit, qui brise la jeunesse. En tout cas, livrez-nous Sassou pour que nous puissions le juger et nous prions le Créateur que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse pour que nous puissions emmener ces criminels à la justice, une véritable justice qui est la justice du peuple congolais. Que Dieu nous garde, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse le Canada, que Dieu bénisse les Américains, parce que pour le moment, il faut le dire que nous avons porté beaucoup d'espoir à la présidence du président Trump pour nous aider, parce que le président Trump avait mis en place un executive order que nous demandons qu'on puisse extendre l'executive order là au Congo-Brazzaville. On ne peut pas simplement faire de la politique à deux vitesses, pensant que Maduro est plus dictateur que Sassou, pensant que le régime de Venezuela est plus dictateur que le régime criminel et kleptomane d'oyocratie de Sassou Nguesso. Maduro, si on veut chasser Maduro, il faut qu'on chasse aussi Sassou. On ne peut pas faire cette discrimination. On veut vouloir aider les Vénézuéliens parce qu'ils ont la peau blanche. Non, M. Trump, nous ne voulons pas de ça. Nous le disons comme M. Trudeau. Non, il faut nous aider aussi. Il faut penser à nous parce que nous sommes tous des êtres humains. Ne nous prenez pas comme des citoyens de la dernière classe. On en a marre. Cette fois-ci, nous allons nous lancer dans tout le chemin. Nous demandons que les Américains nous aident, que le Fonds monétaire international ne puisse pas donner son argent à Sassou. De la même façon qu'on ne veut pas aider Nicolas Maduro, qu'on n'aide pas Sassou parce que ce sont des dictateurs, des vampires de la même espèce, ce sont des reptiliens de la même espèce. Donc on ne peut pas mener la diplomatie à deux vitesses, pensant que les Vénézuéliens sont supérieurs au Congo. Non, nous voulons que si vous chassez Maduro, aidez-nous aussi à chasser le dictateur Sassou parce que le peuple en a marre. Nous sommes cette voix du peuple qui parle haut. Nous sommes cette voix du peuple qui parle très haut. Ce que certains disent tout bas, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez un bon dimanche. Au revoir.